à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue au premier congrès du collectif Santé en danger. Vous deviez être présent dans la salle et nous devions vous recevoir. Et là, c'est vous qui nous recevez chez vous. Et sans plus attendre, nous allons commencer en accueillant notre président, Arnaud Chiche. Excusez-moi. Bonjour à tous. Je suis beaucoup plus à l'aise chez moi que là. Bon, écoutez, c'est un jour exceptionnel. Voilà. Tout de suite, merci au conseil d'administration, à toute l'équipe du collectif. Ils ont fait un truc de dingue. Merci à la technique, parce que j'avais peur d'oublier. Merci à la technique. Merci à Ludovic. J'accueille Ludovic avant de papoter là. Je suis pas du tout. Et surtout, on ne serait pas ici aujourd'hui pour le premier congrès qu'on devait faire en présentiel. Malheureusement, pour les raisons qu'on vous racontera un peu plus tard. Ludovic, on racontera plus tard. On est ici grâce à Ludovic Thoreau, le maire de Coubron, qui nous fait l'amitié, enfin l'honneur d'être membre du conseil d'administration du collectif, et puis surtout qui nous a proposé, c'est son idée à lui. Il m'a dit, au mois de septembre, un jour il m'a appelé, on ne s'était jamais vu, tu m'as dit Arnaud, voilà, moi j'ai une salle, je te la prête, tu fais ce que tu veux. Puis je leur ai dit, ben les gars, on va faire un congrès. Voilà, donc c'est grâce à toi, merci d'avoir rendu ça possible, et puis tu viens à côté de moi peut-être pour dire un petit mot. Voilà, Ludovic Thoreau qui est médecin, maire de Coubron, et sans qui en fait on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est un bienfaiteur et un ange qui a croisé notre chemin. Quel menteur. Alors, mesdames, messieurs, soignants, soignés, je vais m'excuser. Parce qu'en effet, vous deviez être tous là, face à nous, et pas de chance. Et à 3 jours, on m'annonce qu'on est la ville la plus touchée par la Covid. Cette ville, en fait, où il y a pratiquement 60% d'espaces verts, que des pavillons, eh ben on est la plus touchée. Donc j'ai appelé Arnaud, j'ai appelé le conseil d'administration, on fait quoi? On ne va pas venir tous ici alors qu'on est tout, on va contaminer tout le monde. Mais j'ai quand même interrogé un peu les services de santé, c'est quand même bizarre, Coubron, vous vous rendez compte, la de région Île-de-France la plus touchée. J'ai eu la réponse au bout de 2 jours, non, c'est une erreur, il ne faut pas le voir comme ça, mais le mal était fait. Le mal était fait, donc je le dis au CA, vous serez bienvenus quand cette crise du Covid sera passée. Peut-être que ça sera la ville avec plus de lépreux, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Mais pour l'instant, sachez que cette ville, et je reviens à tes compliments, mais je vais vous les donner à vous tous, à ceux de la santé en danger, à tout le monde. En fait, comment je les connais? Je vous découvre tous aujourd'hui, je ne vous ai jamais vus, d'accord? Puis moi, je suis sur Facebook, je regarde, j'écoute, je vois, et je m'engage quand je le sens. Et je l'ai senti. Je l'ai senti, lui, je l'ai senti, vous, je l'ai senti tous là, avec ce que vous meniez comme combat. Ce combat qui est bien évidemment tout le combat à la fois des soignants et des soignés, et je reviendrai ultérieurement par rapport à la médecine de ville. En tout cas, un grand merci à vous. Il y a un début à tout, mais il faut tout continuer. Je vous aiderai à continuer, je vous aiderai, je vous mettrai tout ce que vous voulez en matériel, en moyen de diffusion, parce qu'on doit nous écouter, on doit enfin nous écouter. C'est là que doivent partir les propositions, ce n'est pas d'en haut. Tout ce qu'il y a eu depuis des années, ça a conduit à l'échec. Ma ville, 6 médecins généralistes il y a 6 mois, 1 médecin dans 3 mois. On fait quoi? On est en région Île-de-France, en petite couronne. J'y reviendrai ultérieurement, mais néanmoins, je voulais faire une chose qui est peut-être symbolique, mais pourquoi, qui a une grande importance. Je vais vous remettre la médaille d'or de la ville de Coubron. Je vais vous remettre cette médaille d'or à toi, docteur Arnaud Chiche, à vous, membre du conseil d'administration, et à vous tous qui nous écoutez. Parce que ce combat, on va le continuer. Il ne va pas durer 1 mois, 2 mois, 3 mois au gré des élections. Il faudra qu'il soit beaucoup plus long, parce que pour remettre la santé en place, on a un gros boulot à faire, nous tous ensemble. Cher Arnaud, cher vous tous, cette médaille d'or de la ville de Coubron. Merci beaucoup. C'est pour le collectif et c'est le premier titre, le premier prix du collectif. On est ravis, honorés et sache que ça nous touche. Je vais arrêter parce que je vais finir par chier. On est très honorés et encore une fois, ta présence est vraiment... on a juste beaucoup de chance. Alors j'enchaîne. Donc moi, je vais faire l'introduction. Mon introduction... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux la voir? Ok. Ah, la caméra? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, on va rapidement vous présenter le collectif, comment ça fonctionne, pourquoi on est là. On va aussi vous expliquer quel constat on a fait pour qu'on en arrive là. Et puis ensuite, surtout, on va vous présenter nos partenaires, les gens qui nous aident, les syndicats, les autres collectifs, toutes les âmes qui ont décidé d'aider notre démarche. Et ça va être ça, cette journée-là. Et puis aussi vous dire ce qu'on a envie de faire. Bon, alors, ma petite introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans les Hauts-de-France. Je ne suis pas syndiqué, je ne suis pas politique. J'ai été frappé par la première crise Covid, comme beaucoup de soignants, en fait. Et dans ma famille, quand c'est arrivé et qu'il a fallu aller bosser, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur pour mes enfants. Et puis après, quand on a compris qu'on n'allait pas mourir tout de suite, il a fallu s'occuper des gens qui arrivaient à l'hôpital. On a arrêté d'opérer. Et puis tout le monde est venu. Et puis les soignants, ils n'avaient pas de tests. On n'avait pas de tests. Et puis on n'avait pas beaucoup de matériel au début. Et je me suis dit, mon Dieu, j'aimais déjà bien les soignants. Mais là, je me suis dit, waouh, quel courage, quelle âme. Et parce qu'on a vraiment flippé, en fait. Et après, quand c'est passé, j'entends parler du Ségur de la santé. Et ma femme, elle est médecin gynécologue. Et elle, à l'hôpital public. Et du coup, on suivait ça de près. Parce que moi, je travaille dans un établissement privé à but non lucratif. Je vous raconte pourquoi il est né, le collectif. Alors, c'est un peu en détail, mais j'ai besoin de témoigner de ça. On suit le Ségur, on est en vacances, on est en Corse avec nos enfants et on est bien. Et à l'époque, je fais beaucoup de sport, tôt le matin, pour essayer de ne pas trop gêner la famille. Et la veille, au soir, Capucine me dit, t'as vu Arnaud ce qu'ils ont fait pour le Ségur ? Ils n'ont même pas parlé des gardes. Parce que c'est vrai que nous, les gardes de nuit, c'était important. Ils n'ont même pas parlé des gardes. Toutes les revalorisations, t'as vu Arnaud, elles ont baissé. Et je me couche avec ça. Et je me lève très tôt le matin. Et avant d'aller courir, je me dis, mais c'est pas possible. On est après une première vague. Il va y en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ils avaient les moyens incroyables, les politiques, de envoyer un signal fort. Le timing était parfait. L'histoire était belle. Et le Ségur de la santé nous déçoit, me déçoit et me met en colère. Et j'ai un compte Facebook personnel, comme vous tous. Et là, j'écris ce fameux post avec des doigts d'honneur, en fait. Parce que ce post-là, il traduisait la peur que moi j'avais eue, la colère que j'avais eue. J'étais en colère d'avoir eu peur pour mes copains médecins généralistes. J'étais en colère d'avoir eu peur pour ma famille. J'étais en colère, même si c'était la faute de personne, le Covid. Mais là, les politiques, ils ont raté quelque chose de très fort. Parce qu'ils auraient pu apaiser tout le monde. Et surtout que c'était que le début de la bataille. Et on en est à la cinquième vague. Et je vous parle du post-première vague. Et en juillet, dans les milieux de l'infectiologie, on savait qu'il y aurait une deuxième vague. Et après, ça a été la catastrophe. Donc aujourd'hui, quand on me demande, les médias, quand ils me disent « Alors, par rapport à mai 2020, comment va l'hôpital ?» Mais évidemment qu'il va moins bien. Parce qu'en fait, le Ségur a accéléré les départs. Tellement on a été déçus. Bon. Alors, j'écris ce post, je vais courir. Et quand je reviens, c'est vraiment beaucoup de likes sur un post et beaucoup de partages. Il y a un truc qui se passe et je reçois beaucoup de réponses. Des gens qui me connaissent. Arnaud, merci pour ce que tu as écrit, c'est exactement ce que j'ai dans la tête. Et cette histoire de résonance, c'est quelques lignes qu'on fait résonance en fait dans la tête de beaucoup de monde. Et puis on est en vacances et puis on est début juillet et puis on veut couper un peu avec le Covid. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'écris ça à ce moment-là. C'était pour faire rire mes copains en fait au début. Voilà, c'était pas du tout pour faire un truc comme aujourd'hui. C'était pour faire rire mes copains avec des doigts d'honneur. Bon, je reçois beaucoup de témoignages, beaucoup de messengers. Mon fil commence à s'encombrer et je sais pas quoi faire. Et Capucine, elle va m'en vouloir de raconter ça, mais je m'en fous. Capucine me dit, tu dois faire un collectif. Je lui dis, bah, pourquoi ? Il y a déjà des collectifs, le collectif interhôpitaux, etc. Elle me dit, non, tu dois faire un collectif. Je dis, ok, on va faire un collectif. Et elle me dit, puis c'est toi qui dois le faire. Alors je lui dis, t'es sûr ? Tu sais, moi, si je le fais, parce qu'en fait, quand elle me demandait un truc, Capucine, je voulais toujours lui faire plaisir, en fait. Hein. Donc, j'ai dit, bon, bah, d'accord, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Puis là, je me suis juré à moi-même que j'irai vite, que j'irai fort et que j'arrêterai pas. Bon, la suite, vous la connaissez, c'est l'enflammade. Moi, je me dis que la santé, c'est tout le monde. Donc, je vais tous vous chercher, tous les soignants. Je comprends très vite qu'en fait, sans les syndicats, je peux pas y arriver. Et là, je rencontre des gens qui m'ouvrent des portes tout de suite. Patrick Goldstein, j'oublierai jamais. Il me dit, tu dois contacter Anne Vernet. Il me dit, tu dois contacter Laurent Hier. Tu dois contacter Olivier Johannes Boyau. Ces gens-là font exploser le collectif. Ce sont des syndicalistes, des médecins qui m'ouvrent des portes, des sociétés savantes. On m'écoute, je dis, voilà, on va aller faire un Ségur d'eau au mois d'août. Ils m'ouvrent toutes les portes. Et là aussi, ça s'embrase dans les contacts avec les syndicats. On va chercher tout le monde. Et puis moi, je raconte, bonjour. C'est Arnaud, je suis anesthésiste, on va faire un Ségur d'eau. Ils me prennent pour un fou, mais d'emblée, il y a beaucoup de bienveillance sur ma démarche qui est sincère. Bon.
Alors, ça explose, on rencontre tout le monde. Il faut aller voir, il faut tous les syndicats, il faut tous les collectifs. Alors là, c'est un peu plus compliqué que les collectifs. Et puis surtout, après, il faut aller voir les politiques. Et puis les médias. Et les médias, ils arrivent très vite. Via quelques contacts personnels, France 3 fait un petit reportage. La Voix du Nord, ça s'emballe. Et après ce poste-là, eh bien, tout de suite, des copains proches viennent me voir en disant « on va t'aider ». C'est ce qu'on appelle les 7. Je les remercie. C'était 7 copains qui étaient là. Sur les 7, il y en a encore 4 qui sont vraiment bons potes. Avec d'autres, on s'est un peu frité. Et là, il y a une première aventure jusqu'au novembre 2020, en fait, avec cette équipe-là. Et puis, en novembre 2020, donc on crée une association. Thomas va vous expliquer. Et puis après, il y a différentes ruptures dans l'histoire du collectif. Grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que le conseil d'administration actuel, il est là depuis un an, en fait. Voilà. Et depuis un an, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est tout, moi c'est mon intro, je suis heureux, je suis pas narcissique, je ne nourris pas d'ego, je veux pas faire de carrière, je suis juste fier en un poste, après un poste, je suis fier aujourd'hui de parler au ministère et de parler à l'Élysée régulièrement, après un poste, je suis fier d'être dans les médias et de porter ce message le plus loin possible, le mieux possible, sans faire de maladresse, j'essaye de ne pas faire de sortie de route. Vous savez, moi j'ai toujours mon métier, j'essaye de prendre soin de mes enfants, de mes collègues aussi à l'hôpital, parce que vous savez, je leur impose un truc un peu chiant, et ma direction que je remercie. Avec un poste, aujourd'hui on est connu de tous les sénateurs, de tous les députés, de tous les ministres, et on essaye de porter ce message-là à tous les soignants et à tous les usagers. Et hier soir on nous l'a un peu expliqué, il faudrait qu'on fasse encore mieux que ça, parce que là vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes un peu acquis à notre cause, mais en fait il faudrait qu'on arrive à élargir le propos à tout le monde, alors on fait tout ce qu'on peut. J'ai fini. J'allais dire un truc et du coup j'ai oublié. Il y en a beaucoup qui sont en plan blanc, on pense à vous. Il y en a qui sont au boulot en garde, on pense à vous. Le message personnel que je voudrais envoyer à tous les soignants, c'est stop la résilience. Voilà, c'est ça le collectif Santé en danger. Un poste, 212 000 personnes, une association, un congrès national, écouté par tous les médias. Donc, un poste. Donc, on doit pouvoir ensuite faire des postes santé et être sur la table du président et dire au président Macron, changez la santé. Voilà, c'est tout. Point barre. Donc je passe la parole à Sophie Île-de-France, c'est ça qu'il faut dire. Sophie qui va... Alors je fais une petite introduction. Sophie qui est la responsable Île-de-France, enfin voilà, qui est membre du conseil d'administration, qui est là depuis le premier jour. En fait, elle va vous expliquer qu'on s'est dit qu'il fallait faire des groupes régionaux. Et Sophie, elle va vous expliquer à quoi ça sert. Et juste pour finir la conclusion, parce que là je vois qu'on va finir l'intro, le but du collectif Santé en danger, c'est de sauver le système de santé en y contribuant, en apportant des idées. Voilà. Alors, on a plein de programmes, on a plein de revendications. C'est à ça qu'on sert. Voilà. Sophie, elle va vous expliquer comment on a décliné ça dans les régions. C'est bien ça? Je te passe la parole, je me barre, je vous fous la paix, je rentre chez moi. J'arrête. Donc effectivement, comme dit Arnaud, collectif qui s'est créé un peu en mode national, sauf qu'on s'est très vite rendu compte fin août qu'il fallait décliner ça en région, parce que chaque région a ses spécificités, a ses difficultés. Une région ne ressemble pas à une autre. Il y a les dom-toms qu'on inclut effectivement obligatoirement dans les régions, parce que les dom-toms ont beaucoup de soucis. Donc on a créé 18 antennes régionales. Parce que si j'ai bien compté, on a 18 régions. Alors effectivement, comme dit Arnaud, je suis créatrice, cofondatrice de l'antenne Île-de-France. Et ces antennes ont pour but de faire remonter les informations au national des difficultés régionales, mais aussi que le national fasse descendre des informations pour les régions. Parce que la communication est importante, tout le monde ne peut pas parler avec tout le monde, on est quand même 210 000 sur la page Facebook, donc c'est un peu compliqué. Et donc il y a ce qu'on appelle les rapporteurs, ce sont les représentants de chaque région qui sont en lien avec le national. Et après on a essayé de décliner une organisation dans les antennes. Donc effectivement, c'est un travail colossal parce que monter une antenne, ça demande du temps, comme monter un collectif. Faut mobiliser les troupes, il faut réussir à faire adhérer les gens et qu'ils réussissent à donner du temps
Et ce n'est pas obligatoirement facile avec nos métiers et notre vie de famille. Et ce qui fait que, voilà, on a essayé de décliner un peu les antennes. Pourquoi ça ne passe pas à la diapo suivante? Ah non, d'accord. Ce qui fait que, donc, on a essayé de décliner les antennes. Donc, rapporteurs, après, des secrétaires, pour essayer d'un peu de recenser les adhérents de chaque antenne, plus des comptes rendus quand on fait des réunions, des référents politiques qui contactaient les politiques de chaque région, des référents médias pour contacter les médias de chaque région. On est passé dans pas mal de médias au niveau régional dans chaque région. Alors l'antenne Île-de-France un peu particulier, parce que c'est Arnaud qui accapare tous les médias d'Île-de-France. Mais dans les autres régions, il y a eu des passages radio, presse, ce qui montre l'implication des régions et qu'il n'y a pas que le national, mais que les régions aussi ont leur parole dans le collectif. Ce qui fait qu'une fois ces antennes montées, ben, le collectif commençait à prendre une grosse structure, mais cette structure ne suffisait pas. Et je vais laisser la parole à Thomas, qui va nous expliquer la suite de la structure du collectif. Je crois qu'il essaye de faire l'introduction. Arrête. De Dr Broncé. Et ça marche. Bon, merci Arnaud. Moi je vais vous présenter la mutation de la page Facebook en association, ce qui confère une nouvelle légitimité pour le collectif et ça va transcender vraiment son ADN. Alors, normalement il y a une diapo un peu avant celle-là, je pense. On peut revenir en arrière encore. Encore, encore, oui, merci. Bon, comme on l'a vu, un cri du cœur qui ne se voit pas mais se lit a réanimé les soignants et les usagers. C'est vrai que c'est moi qui ai la zapette, donc normalement ça devrait le faire. Donc, on a une page Facebook qui grossit. Très vite, les idées fusent, le lobbying est intense et la structuration commence à poindre le jour. Les nouveaux suiveurs se regroupent sur des Facebook régionaux dont on vient de parler. Hop, bah des fois ça passe, des fois pas. Donc l'organisation en région avec les antennes. Et là, problème. Le réseau public, aussi développé soit-il, ne va pas avoir de représentation officielle. On pourrait être, je ne sais pas moi, 212 000 sur la page Facebook, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, pour obtenir les premiers échanges avec les tutelles, mais aussi à leur demande, et toujours dans l'urgence, en septembre 2020, la décision de créer une association collectif santé en danger est prise. Les statuts sont déposés à la préfecture du Nord et les membres impliqués au premier chef à la création du collectif forment le premier CA et sont les membres du bureau. Ce sont donc ce qu'on a appelé les membres fondateurs qui ont été remerciés et il faut le faire parce que sans eux, il n'y aurait pas eu ces premiers jalons qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, cette hyperactivité initiale, couplée avec quelques divergences de communication, va terminer en fait le premier épisode de cette toute jeune association. Épisode riche, dense.
pour lequel, lorsque la page se tourne, un deuxième CA voit le jour et nous sommes déjà en novembre 2020. La structuration de l'association est difficile, elle est semée d'embûches, nous sommes novices en la matière et cela, c'est d'autant plus difficile qu'il a fallu transformer un média de diffusion en association et non l'inverse, ce qui est généralement la chose qu'on fait. Les missions du collectif donc s'établissent, les groupes de travail sont de mieux en mieux formalisés. Du coup, la première page des nouveaux statuts, l'enregistrement préfectoral, c'est ce qui apparaît, je pense, sur vos écrans. Et ça, c'est aussi grâce à un avocat que ces statuts sont plus en phase avec la notoriété et le fonctionnement interne de notre association. L'association du collectif Santé en danger est renforcée avec notamment le troisième et actuel CA élu. On est toujours enregistré à la préfecture du Nord. On est passé de 12 membres à 17 et l'organigramme du bureau est celui qui s'affiche sous vos yeux. Et attention, là il y a des nouveaux visages du collectif. Avec le bureau, donc Arnaud Chiche, membre fondateur, Thomas Brosset, vice-président, accompagné de Laurent, kiné. Nous sommes assistés par Myriam, que vous avez vu en début de présentation. Audrey est la trésorière. Elle est où ? Monique, tu fais quoi ? Vice-trésorière. Magali et secrétaire adjointe, Stéphanie secrétaire, assistée en sous-main par Jessie, ça c'est notre machine, technicienne de labo. Et puis il y a les historiques, les dinosaures de l'association, toujours en soutien rapproché, comme Michael, Sophie. Et des nouveaux que nous apprenons à connaître et qui apportent un nouveau regard. Alors les usagers avec Bernard, Nicole, infirmière, ambulancier, Christophe, et des médecins, Guillaume, Ludovic et Guy. Aujourd'hui, nous sommes 4000 membres. Le conseil d'administration est, comme dirait Arnaud, fort. On reste apolitique, asyndical. Dans le fonctionnement, on garde la partie revendication, les métiers. Mais il y a toujours aussi ces groupes de réflexion pour la santé de demain. Et il n'est échappé à personne qu'en 2022, il y aurait une élection présidentielle. Donc nous avons aussi axé 20 propositions pour essayer de titiller un peu nos chers gouvernants à venir ou passer. Alors pour demain, la mission pour l'association, ça va être très probablement d'être reconnu d'intérêt général. Mais comme nous sommes une association qui sort du cadre classique, ça va être encore un petit parcours du combattant. Mais comme d'habitude, on va y arriver. Et puis, pour toute la partie trésorerie, aujourd'hui, c'est boutique en ligne un tout petit peu et surtout les adhésions. Mais ça, je vais laisser Audrey en parler. Viens par ici, Audrey. Je te donne le micro direct. Audrey, qui est trésorière, mais elle est tellement plus que ça pour le collectif. Elle est là depuis très longtemps. Je voudrais préciser que comme Thomas, comme Sophie, enfin comme tous ceux que vous allez voir aujourd'hui, Audrey, elle a participé à ce que le collectif survive dans les tempêtes structurelles qui ont été nombreuses et fortes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'impose depuis le début de l'histoire du collectif un rythme d'enfer. Médiatique, politique et d'activités multiples non-stop et les 24 heures c'est dans une journée, c'est pas assez pour nous tous en fait. Et ce que vous devez comprendre, c'est que justement quand c'était la tempête structurelle, moi j'en remettais une couche parce que je me disais qu'on n'allait pas se laisser embêter par des problèmes de structure. Et en fait, ça c'est mon mental à moi, mais il y avait des gens solides comme Audrey sur qui j'ai. Je suis obligé de dire tout ça, Audrey, on m'en veut pas. Sur qui je repose beaucoup
Et ceux qui sont sur la page savent que souvent je dis, voyez avec Audrey, je dis toujours par Messenger quand je ne peux pas traiter le truc, il faut écrire à Audrey. Elle est adorable, elle est performante, elle est intelligente, elle est drôle. Je crois que nous deux, on s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle a un sacré tempérament, donc souvent on s'engueule, mais tout de suite après on se pardonne. Et je suis très, très fier qu'elle soit avec nous dans le collectif parce que depuis que tu es impliqué comme ça, si fortement, depuis plus d'un an, le collectif a pris une nouvelle dimension. Et si le collectif en est là aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup grâce à toi. Et c'est très sincère. Et tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, maintenant, tu vas pouvoir enchaîner. Merci. Merci pour tout, Audrey. Merci. Voilà, je suis perdue maintenant. Donc moi, je dois vous parler du fonctionnement de l'association. Je vais essayer de faire marcher. Voilà, ACCED, mode d'emploi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ACCED déjà? Association, c'est santé en danger. Parce qu'on a, du coup, comme vous le savez certainement, déposé ce nom à l'INPI. C'est une marque déposée maintenant et collectif n'est pas accepté. Donc c'est Association C Santé en Danger, le vrai nom de l'association. Je voudrais rappeler qu'il est composé de essentiellement de bénévoles. Nous sommes tous bénévoles dans cette association, les membres du bureau ainsi que tous les adhérents. Qui nous aide dans les différents groupes de travail. C'est important de le dire parce qu'on a tous un métier, une famille, et on ne peut pas toujours réagir à la minute aux sollicitations. J'avais envie de le rappeler aujourd'hui, pour les messages, pour les sollicitations du président, on ne peut pas toujours répondre à la minute. Voilà. Donc l'association C Santé en Danger, aujourd'hui, est composée de 4500 adhérents à jour de leur cotisation. Nous étions 9000 l'année dernière, alors l'adhésion, la cotisation compte pour une année glissante. Donc je vous invite tous à réitérer votre adhésion sur la plateforme Eloasso si vous n'êtes pas à jour ou si vous voulez réadhérer pour l'année 2021-2022. Comment adhérer? Donc je vous en ai touché un mot. Sur Eloasso, en fait, j'essaye de vous trouver la diapo. Voilà, comme je vous disais, plus on sera d'adhérents, plus on aura de poids auprès de nos politiques. Sur Eloasso, vous y allez, alors souvent sur la page Facebook, on remet le lien. Sinon, vous allez sur Google, voilà, et vous tapez Eloasso, collectif santé en danger. Vous tomberez en premier item directement sur notre page. Voilà ce qui devrait apparaître sur votre ordinateur. Alors oui, je le rappelle, c'est le mieux de le faire d'un ordinateur et de passer par le navigateur Chrome d'ailleurs. Ça marche mieux que d'un téléphone portable. Sur notre page Eloasso, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors en premier, adhérer, comme je vous disais, à l'association. Le coût est de 5 € pour une année d'adhésion. Donc ça a augmenté parce que la première année, c'était 1 € symbolique. Alors il faut que je le dise aussi, pourquoi 5 €? La plupart des associations demandent au moins 25 € par an à leurs adhérents. Donc 5 €, c'est sûr que ça a un coût, mais on pensait juste pour nous permettre de fonctionner et pas trop élevé pour faire participer le maximum de soignants et d'usagers. Donc vous pouvez également faire un don sur cette page ou adhérer. Je vous dirai les autres fonctionnalités après. Quand vous vous connectez... Pour adhérer, vous atterrissez sur le dernier, je sais pas si on voit, la dernière diapo, bon, bas à droite. Vous devez choisir avec le plus et le moins combien d'adhérents. C'est une nouvelle fonctionnalité d'Eloasso, c'est pas nous qui avons créé cette plateforme, c'est un peu compliqué pour certains, mais du coup vous choisissez le nombre et vous pouvez adhérer pour 3-4 personnes, ou pour vous tout seul. Ce qui est important, c'est de mettre une adresse mail par personne adhérente, pour qu'on puisse vous envoyer les mails à chaque adhérent et qu'on puisse donner un pouvoir pour voter aux assemblées générales pour chaque personne inscrite. C'est un vote par adresse mail. Voilà, donc je vous parlais des 5 € de frais d'adhésion. Je vous donne quelques exemples de frais que nous avons. Par exemple, la plateforme de vote pour faire voter tous les adhérents à l'Assemblée générale, cette année nous a coûté à peu près 5 000 €. Voilà, ça vous fait un échantillon. La retransmission d'aujourd'hui en live coûte 4 000 €.
Oui, donc les adhésions nous aident à payer tout ça, ainsi que les déplacements des membres du conseil d'administration et du bureau et des membres actifs des antennes pour se rendre au rendez-vous politique, presse, médias. Il a fallu payer également une attachée de presse, d'ailleurs que nous remercions, Virginie Mulsinger, qui nous a accompagnés jusqu'à ce mois-ci, depuis le début du collectif, et qui nous a permis d'avoir beaucoup de retombées de presse. L'avantage d'être adhérent, du coup, vous nous aidez à assumer tous ces frais. Vous pouvez voter une fois par an aux assemblées générales et vous avez le choix pour choisir vos représentants. Et nous sommes en train, avec Michael, de monter une plateforme d'adhérer à une plateforme de mailing pour pouvoir vous envoyer un à deux mails par mois avec des sondages, les infos en prime time, exclusivement aux adhérents, avant les abonnés de la page Facebook. Voilà. Sur cette page Hello Asso, vous pouvez également retrouver, je vous disais, adhérer, un don, où voilà, on a vendu quelques petites choses à votre demande, les adhérents. Donc il y a eu les suites plébiscitées après le rallye du Monte Carlo par Raoul et Caroline. Un petit clin d'œil, voilà, et merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le collectif. Donc ces suites voilà, sont tous partis malheureusement. Il y a encore des stylos, des stickers. Et nous nous appuyons maintenant sur une boutique en ligne avec qui nous avons fait un partenariat, Méli-Mélo. Le lien est également sur la page Facebook, on va le remettre régulièrement. Et sinon, n'hésitez pas à nous le demander, on vous le fournira. Pour l'instant, il y a quelques petits objets, dont la veste verte. Elle n'en met pas plus pour pouvoir vous livrer tous avant Noël. Et après, il y aura beaucoup plus de choses. Voilà, nous remercions Elodie également pour sa collaboration avec nous. L'association est également présente sur d'autres réseaux. Donc c'est la page Facebook que vous connaissez pour la plupart. Mais nous sommes également présents sur Instagram. On remercie Mimi qui gère cette page et puis tout le groupe Insta. On est présents sur TikTok. On remercie Mélanie qui gère cette page à merveille. Twitter, LinkedIn, une chaîne YouTube. Pour la page Facebook, j'aurais aimé dire un petit mot aussi à tous les gens qui nous font des demandes de publication. On en a à peu près 300 par jour. Donc vous comprenez bien, si vous voulez que cette page reste lisible, qu'on ne peut pas tout publier. Voilà. Alors, je vous invite, plutôt que faire des demandes de publication, si vous avez vraiment un témoignage à faire passer ou une publication, à nous l'envoyer ou par mail à collectifced@gmail.com ou en MP au collectif sur la page Facebook. Un message privé, c'est plus simple à gérer. Et il y a beaucoup de gens qui sont vexés quand on annule leur publication, mais c'est vraiment parce qu'elles ont été déjà mises en doublon, parce que c'est pas le moment de les citer. Voilà. On remercie tout le monde de leur compréhension et on voulait saluer l'équipe de modérateurs qui s'occupe de cette page, dont Stéphanie qui gère ce petit groupe parfaitement. C'est très important, ils ont beaucoup de boulot. Et on les remercie vraiment pour leur travail acharné depuis plus d'un an. Il y a également dans notre réseau le site web. Donc je vous disais, vous tapez Collectif Santé en Danger dans Google, vous arrivez directement sur le site internet qui est alimenté régulièrement avec les revues de presse, le nombre d'adhérents à jour, les derniers statuts. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Je vous invite à y aller. Là, pareil, c'est Pierre, un étudiant bénévole qui nous a construit ce site. Donc, on tenait à le remercier avec l'aide de Michael et Sébastien qui vont reprendre le relais pour l'alimenter de manière plus régulière et mettre encore plus de pages à disposition avec de beaux projets. Enfin, les groupes de travail du collectif, c'est pas juste une page Facebook. On travaille sur une plateforme Discord, une plateforme de travail avec différents pôles. Le pôle 1, alors on vous en a parlé un petit peu, c'était toutes les revendications de différents soignants qui ont été listées. Le pôle qui continue d'ailleurs, avec lesquels on se rend chez les politiques. Le pôle 2, le pôle santé de demain, qui comprend des groupes très actifs comme la santé environnementale. Vous en entendrez parler tout à l'heure. Alors je ne veux pas remercier de membres parce que je risque d'en oublier. Donc, je laisserai faire les filles du groupe. Voilà, il y a le groupe Qualité de vie au travail aussi qui est très actif actuellement. On cherche toujours des bénévoles qui veulent bien nous aider et qui sont,
je ne sais plus comment on dit, qui ont des aptitudes dans ces domaines pour nous aider. Il y a un pôle secrétariat, un pôle recrutement, un pôle communication qui gère tous ces réseaux, Facebook, Insta, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à l'association. Comme nous sommes tous bénévoles et que ça nous prend beaucoup de temps, plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces. Et on accepte tout le monde. Voilà, je passe la parole à Dr Arnaud Chiche. Audrey, merci beaucoup. On a oublié de remercier un garçon qui a... Pierre, il a construit le site internet. Il ne faut pas oublier que... Non, mais il y a... Oui, je sais que tu l'as dit. Tu te calmes. Tu vois, tu... Non, mais tu sais, tu te souviens, je ne sais pas, peut-être pas, mais en fait, il y a une autre personne qui avait construit l'architecture du site, qui ensuite a donné... Enfin, c'est même pas très sympa ce que j'ai fait, hein, parce qu'il avait fait un site internet, ça ne me plaisait pas beaucoup, il s'appelle Ludovic, je crois qu'il est infirmier hypnothérapeute près d'Hénin-Beaumont, et en fait, on a trouvé que Pierre, il proposait un truc plus sympa, et Ludovic, qui avait déjà fait quelque chose spontanément, de manière complètement bénévole, il a filé tous les codes à Pierre pour lui permettre de faire ce beau site, et vous avez vu, ce qui est assez rigolo, je me faisais la réflexion, en fait, Pierre, il avait utilisé une signalétique qui est devenue notre logo, finalement. Parce que depuis le début, le site, il était très rouge et blanc, etc. Et je trouve que ça ressemble fort, beaucoup à notre logo. Alors moi, je reviens prendre la parole parce que de toute façon, c'est Thomas Brossier qui dit voilà, j'ai rien organisé aujourd'hui. Enfin, si je me suis assuré qu'il y ait certaines personnes qui interviendraient. Thomas, il a, dans son plan, il a mis un item, l'union des collectifs, l'union des syndicats. C'est un peu pompeux, c'est un peu utopiste, mais n'empêche. C'est vrai que quand j'ai créé le collectif, je me suis dit, mais enfin, il y a d'autres collectifs. Ma femme m'avait dit, il y a d'autres collectifs. Mais les autres collectifs, on s'était dit, collectif interhôpitaux, c'était surtout l'hôpital. Collectif interurgence, c'était surtout les urgences, a priori. Et nous, on voulait faire un collectif de toute la santé. Alors, on n'allait pas l'appeler collectif hôpital, ville, clinique, ça aurait été un peu chiant. Collectif santé en danger. Mais forcément, comme on voulait rassembler tous les soignants, et toutes les corporations, il fallait, dans notre idée de rassemblement, d'aller à la rencontre des gens déjà en place. Et donc moi, je leur ai dit, vous venez, on va faire l'union des collectifs. Bon alors là, je me suis fait recevoir. Je me suis fait recevoir parce que, en fait, en communication, d'abord, j'y connais rien. Et puis surtout, je me suis assis sur les luttes de ces gens-là. Enfin, c'est-à-dire, eux, ils ont considéré que moi, j'arrivais puis que je partais de zéro. Mais en fait, eux ne partaient pas de zéro. Ils étaient dans une temporalité d'action déjà. Et tous ces gens-là, ils avaient déjà fait beaucoup de choses. En 2019, il y avait eu des grands mouvements santé. Et ils se sont dit, mais c'est qui ce mec là qui vient nous voir? Ils ont quand même... Donc ça a été compliqué au début. Et bien alors, j'ai râlé, j'étais en colère, je ne comprenais pas. Et puis en fait, j'ai appris à comprendre. Parce qu'ils m'ont quand même fait l'amitié d'accepter d'échanger avec moi. Et en fait, pendant un an, ils m'ont expliqué pourquoi c'était compliqué pour eux et que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et puis moi, j'ai mûri aussi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de crier dès que je n'étais pas d'accord. J'ai arrêté de gueuler. Et puis surtout, eh ben, ce que j'ai compris que finalement, l'union des collectifs, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que les collectifs se parlent et soient à peu près en phase. Et aujourd'hui, je suis très fier de cela, de me dire que ben, on a vraiment établi un dialogue avec tous les collectifs. Avec certains, on est vraiment potes, hein. Collectif Interbloc, on est vraiment potes avec eux. Collectif Interhôpital, alors collectif Interréanimation aussi, on n'en parle pas souvent, mais il y a un collectif d'Interréanimation en France. Et le collectif, bon alors il y a d'autres collectifs, hein, il y a le collectif des aidants, etc., des forces invisibles aussi qu'on connaît bien. Et collectif Interhôpitaux, bon ben voilà, on se connaît bien. Anne Gervais, qui est médecin à Paris, eh bien, elle me parle beaucoup, on s'explique. Et puis vous voyez, samedi dernier, on s'est retrouvés sur la manifestation, on tenait chacun notre banderole, c'était chouette. Et puis le collectif interurgence, et ben Pierre, il était là à notre réunion qu'on avait fait avec les syndicats début novembre. Donc, et puis Anne aussi, Anne Gervais, elle était là aussi. Donc en fait, pour les collectifs, on se parle, on est en phase. Et puis vous voyez, par exemple, sur les derniers mouvements, on était tous ensemble. Bon. Les syndicats, alors les syndicats, ils ont permis l'essor du collectif. Et surtout, le message que moi, j'ai toujours dit aux syndicats, c'est vous savez, nous, ce qu'on fait, c'est pour vous aider. Parce qu'il y a des soignants qui ne le savent pas. Mais vous savez, si un jour, il y a des nouvelles lois qui sont, par exemple, signées pour changer les ratios ou alors revaloriser la rémunération de nuit, ben c'est les syndicats qui vont obtenir ça. Donc nous, on est au service des syndicats. Alors évidemment, les syndicats, globalement, nous aiment bien. D'autres, c'est un peu tiède.
Mais globalement, il y en a quand même beaucoup qui nous aiment bien. Et si on arrive à avoir un peu d'audience et à être un peu pris au sérieux par les politiques, c'est aussi parce qu'on a le soutien de syndicats qui, eux, sont dépositaires de l'expertise de la lutte en général et puis surtout du code du travail. C'est-à-dire qu'ils savent comment ça se passe. Et puis voilà, donc je ne vais pas tous les citer, mais quand même, Anne Vernet, SNFAR, fondamental. Le problème, c'est que si je commence à en citer, je vais me faire laminer aussi. Emmanuel Loeb, syndicat jeune médecin, c'est devenu un copain. Évidemment, Jérôme Marty de l'UFML, Gaëtan Casanova, les internes. Et puis, il y a aussi l'ANSIL, les syndicats d'infirmières libéraux, Convergence infirmière, le syndicat des pédicures, le syndicat des psychologues, le syndicat des sages-femmes, Camille Dumortier, vous savez qu'on est très actifs avec eux. Aide-moi, le syndicat Alizé, les kinés. Donc, bon, voilà, on est là. Et donc, on a créé une sorte d'intersyndicale. Et il y a d'autres, la CGT, on a des contacts avec eux. FO, c'est vrai que samedi à Paris, on était derrière FO. Enfin, nous, on est potes avec tout le monde. Hein. Bon, voilà. C'est pas toujours réciproque. mais nous, on est potes avec tout le monde. Alors, l'union des syndicats, cette union rêvée du mois de juillet 2020, bah oui, ça peut pas se passer comme ça, en fait. Mais ce qui est important, c'est le dialogue. Donc, on essaye de dialoguer avec tous les syndicats. Hier, j'étais à Arras, marché de Noël, pour une petite réunion du syndicat CGT Arras. Et ils étaient hyper contents. Et il y avait la sénatrice Katia Pourceau. Je reviens un tout petit peu au début. Il y a deux personnes qu'il faut remercier dans l'histoire du collectif. Alain Brunel, c'est le premier député à m'avoir appelé et à avoir envoyé à tous les députés de l'Assemblée nationale en juillet 2020 un premier tract du collectif. Il faut faire un Ségur 2. La sénatrice Katia Pourceau, hein, c'est donc des élus des Hauts-de-France, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, et même qui m'a... Et voilà, on me fait signe où j'ai fini. Et puis enfin, il y a quelqu'un, je pensais qu'il serait là aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir. Il y a quelqu'un qui est très connu dans le monde politique, qui voulait être président de la République, qui s'appelle Xavier Bertrand. Et il est président de région des Hauts-de-France, là où j'exerce. Et Xavier Bertrand, vous devez savoir que dès le mois d'août, mi-août, il m'a téléphoné. Il faut dire qu'à l'époque, je disais à tout le monde que j'allais demander la démission de Véran et que j'allais faire un coup d'État. Donc ça fait peur un peu à tout le monde. Et d'ailleurs, cette com-là très agressive que j'ai eue sur les réseaux sociaux, je l'ai traînée comme un boulet. Après, encore aujourd'hui, je le traîne comme un boulet parce que les détracteurs du collectif me disent « Ouais, t'es le mec qui voulait faire un coup d'État, ça n'a pas du tout plu. » Et Xavier Bertrand m'a appelé pour m'engueuler. Alors moi, j'étais chaud patate. Hein, et il m'a dit « Je vous interdis de faire ça. » En fait, il m'a recadré avec beaucoup de bienveillance. Et après, il est resté en contact avec moi. Et moi, ça m'a apaisé. Je me disais, bon, bah, y a Xavier Bertrand qui me parle. Donc, ça m'a calmé, ça m'a rassuré. Et finalement, au-delà des couleurs politiques, hein, au-delà des engagements politiques, un homme politique, c'est aussi ça son job. Il a vu une asso, enfin un collectif en train d'exploser. Il s'est dit, faut que je le rassure, faut que je le calme un peu. Et ben voilà, Xavier Bertrand, il a une place très importante. Et je suis resté en contact avec lui. Sans appartenance particulière, mais en essayant de lui dire à lui aussi, voilà, la santé, il faut la changer. Monsieur, aidez-nous. Et je sais qu'il avait agi pour qu'on soit reçu au ministère également. Voilà pour les syndicats et les collectifs, c'est pas mal. Voilà. Et donc maintenant, je passe la parole. Pas du tout. C'est pas du tout. Et vous savez, ce qui est bien quand on organise un congrès, c'est d'être au courant du programme. Et ça, je dois vous dire que je l'ai appris toute la nuit, parce que d'ailleurs, on s'est tous couchés tôt hier. Et je vais laisser la parole à Thomas Brosset, parce que là, je meuble. Donc, tout le monde n'a pas pu venir, on est au courant. Celui-là ? Oui, c'est mieux. Donc, tout le monde n'a pas pu venir, oui, on est au courant. Et heureusement, nos partenaires syndicaux, politiques, nous ont fait l'amitié d'enregistrer certains clips vidéo et d'autres seront en visio avec nous au cours de la journée. On va envoyer les deux premiers partenaires syndicaux. Merci. Bonjour, je suis Guénola Restier, sage-femme, secrétaire adjointe de l'ONSSF et syndicat professionnel majoritaire des sages-femmes et membre du collectif Santé en danger depuis plus d'un an maintenant. L'ONSSF remercie le collectif pour son invitation à participer au congrès. Alors, nos missions, c'est de protéger et améliorer la santé des femmes et des familles, et c'est de défendre toutes les sages-femmes de tous les modes d'exercice, donc salariés, privés, publics, libérales, territoriales, enseignants et étudiants. La profession de sage-femme, c'est quoi ? C'est une profession qui est médicale, autonome et responsable, au même titre que les médecins et les chirurgiens-dentistes.
Le diplôme est obtenu en 5 ans, bientôt 6. Nos compétences sont définies, nous assurons les accouchements, 80% des accouchements en France, nous assurons tout le suivi de grossesse, en passant par la préparation à la naissance et la parentalité, le suivi du postpartum, la rééducation du périnée. Et nous faisons également, depuis 2009, le suivi gynécologique de prévention, ce qui est très important pour toutes les femmes. Et également les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses depuis 2016. Avec divers diplômes supplémentaires, on peut aussi faire des échographies, des consultations d'acupuncture, de tabacologie, etc. Voilà, on a encore d'autres compétences en plus. Au final, je pense que vous aurez compris que notre champ d'action est plutôt très large autour de la santé des femmes tout au long de leur vie et autour de la périnatalité. Nous travaillons avec divers professionnels de santé, du médecin généraliste en passant par le gynécologue obstétricien en cas de pathologie, l'infirmière puéricultrice, le psychologue, l'assistante sociale, enfin, j'en passe encore. Pourquoi ? Parce qu'en effet, notre rôle il est médical, dans le cas médical pour le dépistage des pathologies gynécologiques, obstétricales et pédiatriques, et il est psychosocial aussi, pour le repérage et l'accompagnement des vulnérabilités. Voilà un peu le tour au niveau de notre profession. Je pense que vous avez entendu parler de notre mobilisation, qui date de maintenant presque un an. Mais alors pourquoi on se mobilise comme ça? On se mobilise parce qu'il est plus du tout acceptable de travailler dans des conditions pareilles. Il n'est pas acceptable d'avoir les collègues qui vont au travail avec la boule au ventre en priant pour qu'il n'y ait pas un malheur qui arrive dans la journée. Il n'est pas acceptable qu'une sage-femme s'occupe de 3-4 patientes en même temps qui vont accoucher, et voire même des consultations en plus. Comment voulez-vous qu'elle puisse assurer un accompagnement digne de ce nom? Comment voulez-vous que la sécurité physique et psychologique des femmes et des familles soit assurée? Ce n'est plus possible. On ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. Donc, nous voulons des effectifs supplémentaires. Nous voulons une revalorisation salariale à hauteur de nos compétences. Il n'est plus acceptable que notre forme, que notre profession ne soit pas considérée à hauteur de toutes les compétences. Il n'est pas acceptable que notre statut médical soit bafoué comme ça au quotidien. Voilà, il y a un fort taux de burn-out chez les étudiants sages-femmes. Il y a un fort taux de burn-out chez les sages-femmes. Et les futurs professionnels et les professionnels tendent à quitter la profession. Ils réfléchissent à des reconversions, voire l'ont déjà fait, ou sont en train de le faire. Donc nous vivons en ce moment un tournant au niveau de notre profession. Et elle n'attire plus. Donc c'est gravissime, car les sages-femmes sont très importantes pour la santé des femmes. Alors oui, grâce à notre mobilisation, il y a eu des avancées importantes, mais pour autant pas suffisantes. Elles nécessitent encore d'autres avancées, et rapides pour que ça fonctionne. La sixième année, c'est bien. Ça permet d'avoir des études moins condensées, beaucoup plus vivables, mais qui acceptera de travailler après 6 années d'études pour 2000 euros par mois? J'en connais pas beaucoup. Voilà, bon. L'ONSSF est en contact fréquent avec les instances gouvernementales, la CNAM, diverses associations, etc. Nous n'en resterons pas là, c'est sûr. C'est maintenant que les choses doivent bouger, sinon la profession disparaîtra. Mes mots doivent certainement vous parler et renvoyer à des difficultés ou des situations que vous avez au sein de vos professions, j'en suis persuadée. Tout le monde est concerné, l'hôpital comme la ville. Tout le monde est concerné par un manque d'effectifs. C'est pourquoi l'ONSSF est partenaire là dans cet engagement. Pour faire évoluer le système de santé, pour les femmes, les familles et pour la santé en général. Il est inadmissible que des vies soient en danger à cause d'un système défaillant. Il est grand temps que les pouvoirs publics prennent ce sujet à bras-le-corps. C'est un sujet qui dépasse même la santé et qui est une problématique de notre société actuelle et de son bon fonctionnement. Nous sommes maltraités et nous devenons maltraitants. Il faut arrêter ça. Il y a urgence. Tout le monde est impacté par la démographie médicale. Il est temps que ça change. Voilà. C'est à peu près ce qu'on avait envie un petit peu de vous dire ou de passer comme message. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne de tous les soignants. Et il est important que les soignants soient tous unis ensemble, pour que chaque maillon et chaque rouage de cette chaîne soit revu et
réinventer. Car là, le système est complètement désuet. Donc, avançons ensemble, battons-nous pour que le système de santé change. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation pour ce congrès et une bonne journée. À bientôt. Une association d'usagers qui s'est construite à 35 personnes et puis qui, 2 mois après, réunissait 500 adhérents et pour réunir 4 mois après 1400 adhérents, ce qui témoigne de l'intérêt et de la préoccupation de la population au sujet des problèmes que nous soulevions. Alors bien sûr, nous sommes contents du succès de la manifestation du 4 décembre dernier à Paris. Nous sommes contents d'abord parce que ça a été un succès. Plus de 5000 personnes dans les rues, c'est quand même quelque chose d'important et il y a des raisons de se satisfaire. Nous sommes contents parce que c'est une initiative mayonnaise. Alors, comme on est un petit peu chauvin, s'il n'est pas fréquent que la province soit à l'origine d'une manifestation nationale devant le ministère de la Santé. Et puis nous sommes contents aussi parce que l'initiative revient à une association d'usagers. C'est nous qui avons construit cette mobilisation pour la manifestation du 4 décembre avec le syndicat de salariés force ouvrière de l'hôpital de Mayenne. En commun, nous avons construit pendant plus d'un mois et demi, minutieusement, cette montée à Paris et nous avons proposé un certain nombre de sites géographiques, de collectifs, de syndicats, de nous rejoindre, ce qui s'est passé et ce qui a abouti à ce que non seulement la région parisienne, mais des délégations d'un peu partout en France rejoignent ce rassemblement devant le ministère. Alors, on est ravis parce que il est temps que la population, que les usagers se mobilisent pour le problème de l'accès aux soins. Le problème de la santé publique en général et de l'hôpital public en particulier ne sont pas des problèmes qui doivent rester uniquement entre les mains des soignants. C'est un problème qui concerne la société entière. Et si nous laissons les soignants, comme ce qui se fait depuis plusieurs années, descendre seuls dans la rue pour protester, pour alerter sur la situation, sur la dérive de la façon des gouvernants successifs d'aborder les questions de santé publique, nous allons dans le mur. Nous avons cru, avec la crise du Covid, que enfin le gouvernement allait prendre en compte les revendications des soignants, les revendications des salariés de l'hôpital public en particulier, et que leur investissement, au-delà de ce qui était entendable pendant la crise, allait faire que leurs revendications, enfin, allaient être prises en compte et que plus jamais, après la crise, les choses ne seraient comme avant. Alors effectivement, les choses après la crise ne sont pas ce qu'elles étaient avant, puisqu'elles sont devenues pires. Pendant la crise, on a continué à fermer des lits, on a continué à mépriser les soignants, et on a aujourd'hui un hôpital en particulier qui voit une véritable hémorragie de médecins, mais aussi d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, d'aides-soignantes, qui quittent parce qu'ils sont désespérés des conditions de travail qu'on leur impose. Ils sont désespérés parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'on leur demande de faire et qu'ils ne reconnaissent plus leur métier. C'est une véritable catastrophe. Nous pensons qu'il faut absolument que nous fédérions nos forces, que ce soit les soignants, que ce soit les usagers. Il faut absolument que nous nous parlions et que nous avancions ensemble. Nous avons l'habitude de dire qu'il y a 3 grands axes sur lesquels il faut absolument qu'il y ait des réformes de fond. Le premier axe, c'est la question du recrutement, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la question de l'attractivité, de la formation, de la revalorisation
Je ne m'étendrai pas sur le Ségur. Les soignants qui m'écoutent savent de quoi je veux parler. Le deuxième axe, c'est la question du financement. Comment on peut continuer à baser le financement de l'hôpital public sur la T2A qui existe depuis la loi Bachelot 2009 et qui a amené l'hôpital public là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire des patients qui sont devenus des clients, des soignants qui sont devenus des chargés de clientèle et en quelque sorte un hôpital qui est devenu une entreprise. C'est la raison profonde du malaise de l'hôpital public. Il faut absolument en sortir. Et le troisième axe, c'est le problème de la gouvernance. Le problème de la gouvernance et de la démocratie sanitaire. Actuellement, nous avons des ARS qui sont toutes puissantes et qui ne rendent de compte à personne, sinon au ministre. Il n'est plus possible de continuer comme ça. Nous avons l'habitude de dire qu'il faudrait, selon nous, que la gouvernance de la santé publique soit revue sous un angle complètement différent. Nous pensons qu'il faut travailler sur la base d'un triptyque soignants, élus locaux, usagers. Il n'est pas possible de continuer à recevoir les ordres complètement délirants parfois des ARS qui ne rendent de compte à personne et qui imposent leur choix sur des bases complètement uniquement budgétaires et qui ne sont absolument pas envisagées sur la base du bien commun. Voilà quelques pistes de réflexion. 5 minutes, c'est bien court. Je voudrais conclure en disant que nous souhaitons véritablement que nous puissions nous rencontrer entre associations, syndicats, collectifs de soignants, entre comités, associations d'usagers. Il faut que nous réussissions à unir nos forces. Nous avons 4 mois, nous avons une campagne électorale qui s'ouvre au sein de laquelle la santé publique doit être placée au centre de cette campagne électorale. Si nous n'y arrivons pas, j'ai bien peur qu'après, on ait beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faut partout se réunir, discuter et faire des 4 mois qui viennent véritablement une espèce d'agora pour l'avenir de la santé publique et obliger les politiques à des engagements sur l'avenir de cette santé publique. Je vous remercie. L'état de la santé avant et après le Ségur. Ces thèmes-là, ils vont être déclinés par nos experts, nos amis, ceux qu'on aime. Alors, je vais passer la parole pour commencer. Donc, système sanitaire et social avant et après le Ségur. Il y a Ludovic Taureau qui va nous parler de la médecine en France et de son évolution sur 10 ans. Ensuite, vous verrez Laurent Serrault, membre du conseil d'administration, kinésithérapeute, qui va nous faire un focus sur l'activité libérale. Myriam André nous parlera de l'hôpital. Et enfin, Sébastien, que je suis ravi de rencontrer aujourd'hui, nous parlera de l'évolution des études et des formations des IFSI. Je vais donc laisser la parole à Ludovic et le temps qu'il aille au pupitre, je voulais vous dire qu'à la fin, vous pourrez poser des questions. Je peux te filer le micro, sinon tu les marches. Vas-y, je te laisse la parole et je voulais dire un deuxième truc. Merci. Écoutez bien, si tous les témoignages, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est unissons-nous. C'est-à-dire ce qu'on a décidé de faire là. À chaque fois, le mot unissons-nous est important. En fait, vous savez, on dit diviser pour mieux régner. Ça a toujours existé.
Donc il faut vraiment s'unir pour qu'on soit plus nombreux, et plus nous serons nombreux, et plus nous serons écoutés. Ça, c'est une chose certaine. Ça, c'est... Merci. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, comment je vous ai rencontré? Non, en fait, je vais rencontrer par quelqu'un qui vous aime bien, une autre association qui s'appelle Silence sous ma blouse. Et c'est eux, parce qu'il y a plein d'associations qui sont venues vers vous et qui m'ont conseillé de venir vous voir. Alors, on va parler de la médecine en général, et peut-être un petit mot sur la médecine générale. Moi, je suis sûrement un des plus vieux d'entre vous, j'ai bientôt 63 ans. J'ai commencé par être attaché aux urgences de l'hôpital de secteur, et après je me suis installé comme médecin généraliste dans cette ville depuis 30 années. Je suis arrivé tout seul, un deuxième est arrivé, un troisième est arrivé, un quatrième médecin est arrivé, un cinquième médecin est arrivé, et ça a commencé à chuter. Deux sont partis en médecine du travail. Après, on n'a pas pu avoir de remplaçant, c'était impossible, donc on fermait. Toutes les villes avoisinantes avaient une désertification importante. Des moyens ont été mis en place sans aucun résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer au niveau de la médecine générale, je vous donnerai des chiffres après, est catastrophique. Et déjà catastrophique aujourd'hui, il sera pire, mais tous. C'est-à-dire qu'on parle de médecins, on a voulu toujours nous séparer, médecins, infirmiers, libéral, public, tout ça, c'est faux. C'est tout l'intérêt qu'on a à se voir tous aujourd'hui, c'est qu'on a le même combat. Le même combat pour les soignants, mais surtout pour les soignés. C'est eux qu'on défend aujourd'hui. C'est les soignés. S'il n'y a plus de soignants, il n'y aura plus de soignés. Et cette médecine qu'on nous disait une des plus belles médecines du monde, vous vous rappelez quand on faisait nos études médicales, on est tous passés par l'hôpital, c'est notre moment, d'accord? Et regardez l'état de notre maman. Ben, elle n'est pas belle l'état de notre maman. Alors, l'histoire est longue. J'ai vu, moi, ce déclin, autant dans mes relations avec l'hôpital qu'au niveau de la médecine générale. Aujourd'hui, on est devant un mur. Je vous disais initialement dans mon introduction que nous étions 6 médecins. Il y a encore un an, on est un médecin dans 5 mois. Toutes les villes étaient comme ça. On me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous faites, vous, docteur? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis des années que 75% des médecins qui sortent de leur cursus veulent être salariés. Donc, de facto, il n'y avait plus de médecin libéral. Que 25% des médecins qui sont diplômés n'exercent pas la médecine de soins. Mais ça fait des années qu'on le sait, tout ça. Ça fait des années. La seule réponse qu'on a, on nous dit, c'est trop long de former des soignants. Parce qu'un mandat, ça ne dure que 5 ans. Mais elle est belle, l'histoire. Ça fait 30 ans que ça dure. Et à chaque fois, on dit, ouais, mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute de ceux d'avant. Il y en a marre de ce qui se croit. C'est toujours la faute de ceux d'avant. Bougeons un tout petit peu. Alors, tout le monde le dit, est-ce que ça s'est amélioré, la santé? Non, c'est une catastrophe. Je vous rappelle que c'est le jour de 30 ans où il y avait une politique qui était budgétaire, qui disait tout simplement, mettons moins de soignants, il y aura moins de dépenses. Alors qu'il y avait plus d'habitants et on vivait plus longtemps. C'était une ineptie. Et pourtant, cette ineptie a été reproduite et encore reproduite. Et on nous dit tout le temps, mais on n'a jamais formé autant de soignants. Il n'y a jamais eu autant de médecins. Je me dis, mais merde, ils sont où? Et quand même, j'ai des chiffres là qui sont là. Et j'ai eu ces chiffres grâce à l'URPS, parce que là aussi, il faut qu'on travaille avec les structures existantes qui sont les URPS, qui sont les conseils de l'ordre. Il faut qu'on travaille ensemble et pas nous opposer. Et j'ai des chiffres. L'évolution en 10 ans, je parle de l'Île-de-France. En anesthésiste, moins 170. En gynécologue, moins 396. En ophtalmo, moins 242. En pédiatre, moins 127. En psychiatre, moins 351. Et en généraliste, moins 1705. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres sont là. On a beau dire qu'on en forme plein et qu'il y a plein de choses. C'est faux. Mais ces chiffres-là, on pourrait les mettre aussi bien sur les médecins que sur les infirmiers, que les aides-soignants. J'ai assisté au CA de mon hôpital de secteur. Il y a 78 lits fermés. Mais je dis, mais on les ouvre quand? Non, on va essayer de ne pas en fermer plus. Voilà la réponse aujourd'hui où on est. C'est-à-dire que l'hémorragie est là. Elle touche aussi bien le public que le privé, que l'hospitalier que la ville. Mais ça ne bouge pas. Donc cette union, elle est devenue indispensable. Ça va être long. Hein. C'est-à-dire que tu auras des amis proches, des gens peut-être qui vont te jalouser, mais ce n'est pas le problème. Nous, on se défend aujourd'hui pour les soignants et pour surtout cette médecine française. Pour tous ceux qui font ce métier, qui épousent ce métier et qui l'ont fait parce que c'est une passion, donnons-nous les moyens d'exercer cette passion. Et les moyens ne sont pas aujourd'hui. Ce n'est pas en vous donnant 100 euros que ça va changer quelque chose. C'est du foutage de gueule. Arrêtons avec l'argent et ses chèques. On n'achète pas la santé. On n'achète pas les soignants. C'est le système qu'il faut réformer. Et tu l'as dit récemment, il faut décentraliser. Cette gestion qui est purement ministérielle avec des bras armés de l'ARS ne peut pas durer. Il faut tout simplement... Toutes les régions sont différentes. Vous avez mis des responsables dans chaque région. Il faut que la santé, ça descende d'un cran. Et c'est ce que je défends aussi à la région Île-de-France. Je vous le dis clairement, une décentralisation de la santé pour à la fois mettre l'État, le soignant et le soigné à
un niveau local. Voilà, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il faut vraiment faire très rapidement parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'accès aux soins en médecine de ville va pas poser un problème, pose un problème énorme. Et je dois vous avouer que là, dans l'immédiat, pour répondre à ça, eh ben, les gens vont venir aux urgences. Voilà. Je n'ai pas été trop long, j'espère, Monsieur le Président, et je vais donc quitter ce pupitre. C'est moi, voilà. Tu as été parfait, merci. C'est passionnant, on aura envie de t'écouter pendant des heures. Mais faire le constat pendant des heures, bon, ce n'est pas ça le plus important, parce qu'on connaît le constat. Ce que tu as dit, on parle beaucoup de l'hôpital. C'est vrai qu'on a le sentiment que l'hôpital est bien médiatisé et que la crise à l'hôpital, elle est bien connue. Mais ce que les gens doivent comprendre, et le sens du combat du collectif, c'est que si la ville craque, ce qui est le cas, médecins généralistes, infirmiers libéraux, toutes les professions libérales installées, ça craque dans l'organisation, dans la charge de travail, dans le manque de moyens. Si ça, ça craque, ça impacte l'hôpital. La première chose à faire pour prendre soin de l'hôpital, c'est d'avoir un secteur ville robuste et puissant. Et tu l'expliques très bien, il y a le problème de désertification médicale. Les seules réponses qu'on entend aujourd'hui, c'est des trucs complètement stratosphériques. On a le sentiment effectivement d'une élite complètement déconnectée. Et oui, il l'a dit le Pascal Daudas, tu le dis aussi, il y a urgence, il y a urgence. Parce que s'il faut une grande réforme santé, on sait qu'on en a pour 5 à 10 ans. Donc il faut vite l'annoncer. C'est un petit peu comme quand Jean Castex il disait il y a 2 ans qu'on n'avait pas le temps de former des personnels soignants. On aurait déjà pu former beaucoup d'aides-soignantes en 2 ans, et puis presque des infirmières. Donc il y a urgence, et moi le message que je lance au président Macron, c'est un appel à la raison pour la santé des Français. Parce que dans cette campagne présidentielle, comment prendre au sérieux des politiciens si, sur d'autres sujets, si le sujet santé n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Bon, voilà. Merci Ludovic. Juste un dernier mot, je n'ai pas évoqué. On va dire qu'on est des menteurs, que nous les soignants on dit n'importe quoi, mais interrogez les soignés. Demandez-leur le délai pour avoir des rendez-vous. Est-ce que ça s'est amélioré en 30 ans? Mais c'est une blague. Ça, c'est des faits concrets. Combien de temps vous mettez en ville pour avoir accès à la santé? Les chiffres sont là. Ça devient indécent. Ça devient indécent, et j'irai même au-delà, ça peut mettre en danger les soignés quant à leur pathologie. Plus tard, je vous parle de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas le meilleur département. Pourquoi les gens, il y a un taux de mortalité? Parce que l'accès aux soins est très loin. Et plus vous prendrez la pathologie tard, et plus vous la soignerez d'une façon difficile ou pas du tout. Donc voilà, qu'on ne me dise pas que tout va bien à la santé, comme on me l'a dit des fois quand je parle, comme je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois les délais. Même quand moi, j'interviens et vous intervenez directement, les délais sont très loin. Voilà, merci à vous, monsieur. Merci, Ludovic, c'était très clair. On va maintenant enchaîner sur justement la belle transition qu'on a fait pour Laurent. Laurent, tu vas au pupitre. Laurent Serrault, membre du conseil d'administration du collectif Santé en danger, kinésithérapeute, très engagé santé. Il était au Café Santé Débat à Paris. Il a fait premier lors de la dernière descente de Val d'Isère l'hiver dernier. Non, pardon, pas du tout. Et surtout, il a posé pour les sages-femmes. Et depuis, c'est chaud patate, c'est 50 nuances de grès. Le collectif Santé en danger grâce à Laurent qu'on adore. Merci Laurent. Ok, bonjour à tous, merci Arnaud pour cette présentation. Donc moi je suis Laurent, je suis kinésithérapeute, j'ai une grande fille qui est sage-femme, qui travaille en exercice libéral, mixte libéral salarié, donc ça me permet d'avoir une vue relativement globale du système de santé. Donc moi on m'a demandé de parler du lien ville-hôpital, de ce qui se passe en ville. Notamment ce qui s'est passé avant et après le Ségur. Alors ça, si je dois vous parler de ce qui s'est passé avant et après le Ségur, ça va être assez vite réglé, parce qu'en fait, pour nous, le Ségur, il ne s'est rien passé du tout. Donc ça a été très hospitalo-centré, le Ségur, bien largement insuffisant pour l'hôpital, pour la ville. Ben là, en fait, c'est rien passé du tout. Comment dirais-je, et il s'est rien passé alors que le monde libéral est en souffrance aussi très largement, au moins autant que l'hôpital. Et comme disait Arnaud tout à l'heure, si la ville est en souffrance, si les médecins de ville, les kinés, les sages-femmes, les infirmières ne peuvent plus travailler comme il faudrait, bah, ça va se peser encore plus sur l'hôpital. Enfin, bon, c'est un cercle vicieux, il va falloir le transformer en cercle vertueux assez rapidement, il y a urgence. Alors, je vais essayer de vous parler donc des problèmes spécifiques aux professionnels de santé en ville, professionnels libéraux. Alors là, je ne vais pas trop, être trop long sur le sujet, parce qu'en fait, ce sont des questions qui doivent être défendues
par les syndicats professionnels lors des négociations conventionnelles. Donc, je vais vous les énumérer, tous les problèmes spécifiques aux problèmes de santé. Je reviendrai sur les problèmes liens hôpital-ville par la suite. Alors, dans les problèmes qu'on rencontre en ville, il y a des, c'est dans l'ordre ou dans le désordre, hein, c'est à vous de voir. Il y a le problème de la surcharge et la complexité administrative, qui est très chronophage et qui est complètement délirante à l'heure de la dématérialisation. Par exemple, on a des nomenclatures des actes professionnels qui sont très, très complexes. On demande depuis longtemps une simplification parce que cette complexité crée des conflits assez fréquents entre les professionnels et la sécurité sociale avec des indus, enfin, une réclame des indus. Enfin, vraiment, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il y a une autre chose qu'il faudrait faire, c'est faciliter et encourager l'exercice mixte salariat libéral, parce que c'est assez compliqué de pouvoir faire les deux. Donc là, il y a aussi un gros travail à faire. Alors bien sûr, il y a le problème du tarif des consultations, que ce soit dans le médical ou dans le paramédical. Pareil, hein, c'est à voir dans les négociations conventionnelles, mais il faut savoir qu'on est, comme pour les salaires dans les hôpitaux, on est dans les derniers de la classe au niveau européen. Notre problème, c'est la meilleure prise en compte des formations continues. Il faut savoir que les professionnels libéraux se forment régulièrement via des formations continues. Il faut savoir qu'à partir de 2013, il y a une obligation de formation continue et une obligation de recertification. Alors le problème, c'est que c'est obligatoire, mais la prise en charge financière de ces formations ne cesse de diminuer. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. Et puis bien sûr, le gros souci, et là, bon, Ludovic en a parlé, on va en reparler, je crois, beaucoup plus précisément cet après-midi, c'est le problème de la désertification médicale, que la démographie médicale, des paramédicaux, des médecins, c'est le sujet central, à mon avis. Et le Covid a été un accélérateur de désertification. Donc, dans les 5 prochaines années, il va y avoir un gros souci. Alors, maintenant, je vais vous parler de la relation ville-hôpital. Alors, un des gros chantiers, c'est le problème de communication. La communication qui est cruciale entre les praticiens libéraux et la ville, aujourd'hui, c'est un peu au point mort. Le partage des données à l'heure actuelle, via des plateformes sécurisées, c'est homogène, enfin, c'est pas du tout homogène. Il y a des décisions qui sont prises au niveau régional, mais c'est un peu fouillis. Exact, je te laisse faire. Alors, il faudra que tu mettes là, il y a une diapositive sur les CPTS. Voilà, non, encore une. Encore. Non, c'est encore après. Eh ben non, je ne sais pas où il est. Il faudra voir avec Thomas où est-ce qu'il l'a mis. Là. C'est Thomas. Parce que moi, je suis très très fort en technique, donc s'il y a un problème, ça ne peut venir que de Thomas. Bref. Donc au niveau du partage des données, par exemple, quand un patient vient chez le kiné avec une fracture complexe, c'est un parcours du combattant pour obtenir une radio. Travailler sans radio, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, il a été créé les communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, dont l'objectif était justement de répondre à ce problème. Le truc, c'est que les CPTS, l'idée est bonne à la base. Après, comme souvent, la réalisation est un peu compliquée parce que c'est très technocratique, c'est piloté par les ARS. Et moi, j'avoue que je suis un peu, à titre personnel, je suis un peu dubitatif et je demande à voir. Hein. Pareil, il y avait un truc qui s'appelait le DMP, le dossier médical partagé, qui a été mis en place depuis, je ne sais plus, je crois que c'est Bachelot qui en avait parlé, donc ça remonte à quelques années. Pareil, c'est un serpent de mer, on n'a jamais vu la couleur, on attend toujours, donc... Voilà, partage des données, c'est au point mort pour l'instant. De quoi je voulais vous parler ensuite? Donc voilà, il faudrait vraiment harmoniser ces échanges. Alors, ensuite, je vais vous évoquer un des problèmes majeurs dans le lien hôpital-ville, c'est la continuité des soins en préopératoire et en post-opératoire. Donc là, vous avez donc une diapo qui vous montre les frais. Enfin, ce que coûte à la société une journée d'hospitalisation dans un service de médecine, service de chirurgie, service de soins intensifs. Ça, c'est une journée. Hein. Donc, ça vous donne une petite idée. Il faut savoir qu'en 2010, qui s'occupe des diapos, Arnaud,
Non, tu reviens un petit peu en arrière. Tout au début, tac, tac, tac. La première diapo. Pour parler du virage, voilà, il y a un virage ambulatoire qui a été pris en 2010 et qui a été accéléré en 2013 avec des objectifs précis. Hein, c'est de réduire au maximum les durées d'hospitalisation, que ce soit en après-opération ou dans les maternités. Donc, encore une fois, très bonne idée parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc, ça permet de soulager les hôpitaux et les cliniques. C'est plus confortable pour les patients, ça réduit les coûts pour la société. On vient de voir avant le coût d'une journée d'hospitalisation. Et puis, ça permet aussi de diminuer les risques de maladies nosocomiales, parce que moins on reste à l'hôpital et moins on risque de choper une maladie nosocomiale avec des bactéries qui sont souvent un peu résistantes. Donc voilà. Une fois de plus, l'idée est très bonne. Elle n'est pas discutable. Mais par contre, la réalisation, ça pêche un petit peu. Et ça pêche pour plusieurs raisons. C'est que déjà, il faut donc une bonne coordination entre l'hôpital et le monde libéral. On a vu avant que c'était pas ça. Mais le problème majeur, on en revient toujours au problème du personnel, c'est que ce soit en ville ou à la campagne, enfin je connais plus la problématique mais dans les grandes villes, il faut trouver des praticiens qui se déplacent. Or, les praticiens aujourd'hui ne se déplacent plus. Il faudrait les inciter. Et ils ne se déplacent plus bah, pour une raison assez simple, c'est que quand on voit, tiens, si tu peux avancer la diapo. Là, on va voir le virage ambulatoire. Donc, on voit l'évolution là, l'objectif pour la chirurgie obligatoire, chirurgie ambulatoire. Vous voyez, en 2022, on a un objectif de 70%. On y va. Mais le problème, c'est que derrière, bah, les patients ne trouvent pas de praticiens parce que les rémunérations des indemnités de déplacement sont beaucoup trop faibles. Tu peux passer la diapo d'après, Arnaud ? Non, encore un peu après. Celle de vrai. Non. Vas-y, encore une. Voilà. Donc là, vous avez une idée des indemnités forfaitaires de déplacement. Il faut absolument que l'État comprenne que pour ces tarifs-là, bah, les praticiens ne se déplacent plus. Et bah, c'est les usagers qui en font les frais. Et donc, bah, ils restent plus longtemps à l'hôpital. On ne trouve pas de kiné, pas d'infirmier, pas de sage-femme pour prendre les gens précocement en sortie d'hôpital. Donc, à coût constant et même en faisant des économies, on pourrait même doubler les indemnités de déplacement. In fine, ça serait un coût. Ce serait même pas coût constant, on ferait des grosses économies à la société. Donc voilà, et puis juste un dernier petit point, alors, ils ont mis au point aussi le PRADO, c'est un système de sortie précoce d'hôpital, mais c'est pareil, c'est un système qui n'est pas mauvais, mais dans certaines régions, ils sont déjà en train de le remettre en question. Idem pour les HAD, les hospitalisations à domicile, il y a pas mal d'hôpitaux où on commence à supprimer ou à diminuer le personnel pour les HAD, et quand les praticiens libéraux interviennent en hospitalisation à domicile, et là, on est toujours sur des feuilles de soins papier. Il faut des fois plusieurs mois pour se faire régler, ce qui est quand même gênant. Et on me demande d'activer. Donc, je vais juste finir en disant qu'il y a un dernier petit problème. C'est que, tout bête, mais là, on voit que le maire de Rochefort, ça a été publié là, sur le collectif Santé en danger, par exemple, vient de dire qu'il allait supprimer à partir de l'année prochaine la gratuité de stationnement pour les professionnels de santé, ce qui est juste complètement aberrant. Il faudrait une règle nationale pour qu'au moins, lors de nos déplacements, on puisse avoir la gratuité du stationnement, ça me paraît juste la base. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc Laurent, excuse-nous, hein, c'est parce que Myriam. Tu sais, moi, si ça avait été moi, on aurait tous eu plus de temps, mais c'est Thomas Brossé, je ne sais pas, on n'a même pas le temps de parler. Thomas, arrête. Thomas, Laurent, c'était super, merci beaucoup. Myriam, elle va nous parler de l'hôpital. Elle est hyper stressée, alors soyez sympa avec elle. Comment tu t'appelles? Myriam, elle est infirmière de bloc opératoire, c'est une membre acharnée, têtue, intelligente du collectif Santé en danger. Elle a sauvé le collectif Santé en danger au printemps dernier, quand moi j'étais au fond du trou, un peu à tous les niveaux. Je ne parlais pas de marque, fond du trou, je ne parlais pas de marque. Pardon, okay. C'est bon. Et en fait, je ne la connaissais pas, elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu ne dois pas arrêter, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois organiser le collectif comme tu as envie de l'organiser, alors qu'à ce moment-là, il y avait une rébellion interne incroyable et que je commençais à perdre le bras de fer. J'étais épuisé. Elle m'a dit non, Arnaud, moi, je vais t'aider. Et en fait, elle a sauvé le collectif et elle a bâti le collectif que vous voyez aujourd'hui. C'est Myriam, et entre autres, hein, mais c'est surtout toi. Voilà, on t'écoute pour l'hôpital. Là, tu es flatté, tu es ému. Enchaîné après ça. Rame. Merci. Merci, Arnaud. Ça met à l'aise. Donc, on va commencer par la première image, s'il vous plaît. Moi, je vais vous parler de l'hôpital, donc, hein, le système sanitaire et social avant et après le Ségur.
Je vais vous laisser lire d'abord quelques revendications. À chacun de travailler un peu. Alors, tous ces constats et tant d'autres revendications ne datent pas d'aujourd'hui. En remontant sur plus d'une dizaine d'années, nous entendons inlassablement les mêmes choses, avec toujours l'absence de réponse appropriée de l'exécutif. Bien au contraire, on demande aux établissements de santé de faire toujours plus avec encore moins. Donc, à l'affirmation que nous entendons parfois dans les médias que la crise hospitalière est due à la pandémie, la réponse est évidemment non. La crise n'est donc pas conjoncturelle, elle est structurelle. Alors que nous entrons indéniablement dans la cinquième vague de cette pandémie, le pronostic vital de l'hôpital est engagé. La situation ne cesse de se dégrader. Depuis 2000, le constat est sans appel. Les établissements médicaux publics français ont perdu un quart de leur capacité d'accueil, soit environ 80 000 lits. En 2004, la population française était de 62 millions d'habitants, tandis qu'en 2021, on dénombre 67 millions. Cherchez l'erreur. Le détricotage du maillage territorial continue malgré la situation déjà catastrophique. Les maternités disparaissent, les services d'urgence ferment, les SMUR, les services de pédiatrie également. Rappelons que derrière un service fermé, il y a des patients en difficulté, voire en danger. L'an dernier, on a dénombré la fermeture de 5700 lits et de 25 établissements de santé privés et publics, et tout cela en pleine pandémie. Si on prend un peu de recul, historiquement, le virage ambulatoire est l'une des explications des fermetures de lits. Cependant, augmenter les prises en charge ambulatoires ne doit pas être au détriment des capacités d'accueil qu'un établissement public doit pouvoir déployer en cas de besoin, comme pour des épidémies hivernales, des événements exceptionnels, comme des attentats, des accidents nucléaires et même une pandémie. Actuellement, l'autre explication majeure des fermetures de lits est le manque de personnel. Est-ce que la crise sanitaire a accéléré ce phénomène ? Usés, déçus, les médecins partent, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde part. Et trop peu de professionnels sont recrutés. L'attractivité n'y est pas. En analysant les témoignages qui nous sont envoyés, quelles que soient les professions, des grands éléments sont récurrents. Le manque d'attractivité, le manque de considération, la déception aux réponses de l'exécutif et la sensation de n'être que des pions. Commençons par le début. Comment voulez-vous attirer des nouveaux professionnels à des métiers aussi difficiles avec des salaires aussi bas ? Prenons l'exemple des IDE. Le salaire médian d'un IDE est de 14,05 € de l'heure. Un IDE, débutant gagne 1 513 € net par mois. Les primes de week-end sont de 46,42 € pour 8 heures. La prime de nuit est de 1,07 € par heure. Vous le savez, la France passe de la 26e place de l'OCDE à la 18e place sur 29. Les IDE perçoivent une rémunération inférieure de 5% au salaire moyen en France. Le point d'indice est quasi bloqué depuis 2010, soit une perte de pouvoir d'achat de 12%. En 2021, un IDE débute à 1,2 fois le SMIC contre 2 fois le SMIC en 90. Évidemment, les salaires sont indécents. Je ne vais pas énumérer toutes les professions, mais le constat est strictement le même pour tous. Ça, c'est déjà la base, mesdames et messieurs de l'exécutif. Combien valent les professionnels de santé français selon vous ? Ils sont formés, qualifiés et garants de la sécurité dans la prise en soin de vos concitoyens. Arrêtez de tourner autour du pot et commencez par reconnaître réellement la valeur de vos soignants. Je ne parle pas de saupoudrage de 183 € qui ne sont même pas pour tous. Il y a des décennies de rattrapage à faire. Excusez-moi. Parlons justement du Ségur de la santé. Petit rappel. Une enveloppe de 8,2 milliards d'euros de revalorisation salariale, une reprise de la dette hospitalière à hauteur de 13 milliards d'euros, etc. Dit comme ça, on pourrait penser à une sacrée avancée. Mais en fait,
Même avec ces accords, le déclin semble irréversible. Comme le dit souvent Arnaud, c'est un bon début, mais du moins sur le papier. Certains se sont dit qu'au final, de cette terrible pandémie, allait ressortir quelque chose d'extrêmement positif. Enfin, nous allions être entendus, considérés. Quelle désillusion. De ces chiffres annoncés en grande pompe dans les médias, aussi impressionnants puissent-ils être, rien ne va changer grâce à cela dans la vie des soignants. L'accélérateur des départs des soignants n'est donc, à mon avis, pas tendu à la crise Covid, mais bien plus à la non-réponse de l'exécutif par ce Ségur. L'effet sur le moral des soignants est juste catastrophique. Cela a fini de dégoûter ceux qui doutaient déjà, de démotiver les jeunes qui espéraient, sans compter ceux qui ont été carrément oubliés. Revenons maintenant au quotidien des professionnels de la santé en milieu hospitalier, privé comme public. La politique de management vise à faire toujours plus avec encore moins. C'est le leitmotiv depuis des décennies. Une telle politique conduit à quoi? À la déshumanisation de tous, soignants comme patients. En effet, par souci de compléter des plannings, de boucher des trous, on prend des soignants pour des pions et on les déplace où il y a besoin, sans prendre en considération leurs compétences et leur domaine d'expertise et leurs connaissances. Quel stress! Quel risque faisons-nous courir à nos patients? Vous aurez noté ces derniers temps le nouveau mode de fonctionnement de la gestion du personnel. On déclenche le plan blanc par manque de personnel. Revenir sur des congés, être à disposition tout le temps. Entre parenthèses, si cela devient une habitude, pas sûr que cela contribue à rendre les métiers du soin attractifs non plus. Une autre donnée. Quand on travaille en service hospitalier, on travaille en équipe pluridisciplinaire. On se complète. On construit une véritable collaboration. Cette chaîne forme une prise en soin globale, sécure et de qualité pour les patients. La mobilité intra-service imposée à de nombreux soignants détricote ces liens et cette cohésion. L'aspect humain n'y est plus. Les professionnels du soin sont froidement déshumanisés. Je ne parle même pas de la cadence infernale. Manger, boire un verre d'eau, aller aux toilettes est devenu un luxe pour les soignants. Penser que cela n'influe pas sur le soin est utopique. Mais recherche-t-on la qualité et la sécurité quand on veut du rendement, coûte que coûte? Donnons les moyens aux soignants d'avoir le sentiment du travail accompli correctement, en fin de journée, d'avoir pu aller jusqu'au bout, d'avoir pu aider, accompagner, soulager, écouter. Oui, faire de l'humain, comme on dit, ce qui est le cœur de notre métier. Le fait d'augmenter le nombre de personnels est indispensable, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut donner envie aux jeunes de venir dans la filière de soins. Il faut fidéliser et accompagner le long de leur parcours les professionnels des soignants déjà en poste. Il faut donc un véritable choc d'attractivité. Les salaires sont complètement à revoir. Tant que cela ne changera pas drastiquement, ni on embauchera massivement, ni on retiendra ceux qui sont déjà en poste. Il nous faut un plan d'organisation immédiat sur l'instauration de ratios dans tous les services. Le respect et la valorisation des compétences de chacun dans l'organisation du soin. Halte à la grande batterie des compétences et au glissement des tâches. Favoriser et faciliter l'accès aux formations de promotion professionnelle, des ressources humaines adaptées et aux besoins institutionnels. L'arrêt des CDD à outrance, ces contrats précaires empêchent l'évolution personnelle et les projets de vie. Il nous faut aussi un électrochoc indispensable au niveau de la gestion des ressources humaines. Une gestion du travail en équipe pluridisciplinaire, solide et humaine, doit se construire dans le temps et le respect de chacun. La qualité de vie au travail et en premier lieu la gestion du temps, avec le respect des durées, des temps de travail, des horaires, des congés, des repos, des maladies, etc. La prévention des effets du vieillissement, du personnel et de l'usure au travail dans le cadre d'une gestion des carrières adaptées. L'organisation d'un encadrement psychologique et socioculturel sur le plan individuel et collectif, visant à faire face à la souffrance sous forme d'intervision ou de supervision. Une formation renforcée et intensive et obligatoire à court terme pour les personnels d'encadrement qui gèrent les ressources humaines en tenant compte de tous ces points précédemment cités. Ensuite, il nous faut une réorganisation bicéphale des instances décisionnaires. Ça va de soi. Il faut une meilleure coordination et collaboration entre les équipes de soins et les équipes administratives dans les instances organisationnelles des soins. Remettre les acteurs du soin au cœur des décisions est plus que normal. C'est juste.
ce qui nous permettra d'être efficient et cohérent. En conclusion, je dirais qu'il est urgent de prendre soin des hospitaliers. Pansez des plaies avec un bout de sparadrap au lieu de cautériser l'hémorragie sur les criminels. Combien de temps les soignants vont encore tenir dans ces conditions ? Bon, j'ai plombé un peu le moral, hein, je suis désolée. Non, mais tu dis les choses. Merci pour le constat. Oui, on va accélérer. C'est un constat qu'il faut faire. On l'a déjà fait. Tes mots résonnent. Voilà, ceux de Ludovic aussi tout à l'heure. Simplification, il disait fluidité. Tu parles d'attractivité, de capacité à revoir les ratios. Putain, mais Macron, il a la solution. Demain, il dit, je change les ratios. Il résout le problème d'attractivité, de qualité de vie au travail, de sécurité des soins. Putain, mais il attend quoi ? Merci, c'était génial. Me dis plus jamais que t'es stressée, me dis plus jamais que t'es pas à l'aise. T'es juste parfaite, je te nomme nouvelle porte-parole du collectif Sont en danger. Dans 2 heures, t'es sur BFM. Allez, hop, ici. Je passe la parole à un garçon que je rencontre aujourd'hui, mais avec qui j'échange par écrit depuis longtemps, Sébastien Bûcheron, qui est membre de l'antenne Hauts-de-France. Voilà, donc je suis très fier. Sébastien, il est un peu loin de moi, il est à Amiens, hein, je dis pas de bêtises. Et pour autant... c'est marrant parce que physiquement je faisais cette image là, il me paraissait balèze, forcément il est balèze et ta présence dans le collectif elle est importante parce que tu me donnes de la force parce qu'effectivement moi je suis dans le Nord mais j'ai absolument pas le temps de m'occuper de l'antenne Hauts-de-France, faut dire la vérité, j'ai pas le temps et c'est important d'avoir des piliers et le terme il est pas usurpé, des vrais piliers. Alors tu vas nous parler de l'évolution des formations avec comme exemple l'IFSI et tout à l'heure tu parlais des parkings Laurent, avec Sébastien, on a mis un petit combat, tu nous diras où on en est, parce qu'en fait, le CHU d'Amiens n'avait rien trouvé de mieux que de faire payer les étudiants infirmiers le parking. Alors ça, la nullité absolue des directions, je te passe la parole. C'est ça, donc je finirai par ça. Donc du coup, Sébastien, étudiant infirmier en 3e année, je suis élu de promo également, et puis admin de l'antenne de Hauts-de-France avec Frédéric et Mélanie qui m'accompagnent pour ça. Donc on va partir donc sur la vie étudiante. Donc, si on peut lancer le diapo. Donc voilà. Donc la petite photo, en fait, elle a tout son sens parce qu'en fait, infirmier, c'est. Enfin, tout le monde de la santé, c'est un peu un choix, en fait. Hein, on choisit notre métier, en fait. Donc voilà. Donc je vais vous planter le décor tout de suite. Hein. Donc l'avant et l'après-ségur, donc la rémunération lors de nos stages. Donc pour une semaine de stage, avant Ségur 28 euros et 36 euros après Ségur. Donc voilà, en gros, une petite augmentation de 20 centimes à 30 centimes de l'heure lors de la rémunération des stages. Donc déjà, c'est un grand problème. Où est le Ségur là-dedans, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien eu, je pense. Mais on en parle tous les jours et on en reparlera encore. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc Myriam en a parlé, hein, notre place... en tant que futur infirmier dans le classement de l'OCDE. Donc on était 22e et on est arrivé 18e. Donc pour un pays comme la France, c'est encore un énorme problème, je pense. On est en plein développement depuis des dizaines d'années. On en est toujours au même endroit, en fait, pour les soignants. Donc pour nous, au niveau de la crise sanitaire, donc au niveau des étudiants, qu'est-ce que ça nous a impacté ? Eh ben, on nous a promis des indemnités de stage lors des renforts en unité Covid. En fait, en tant qu'aide-soignant, des renforts aide-soignants. Et en fait, à ce jour, c'est 550 euros promis pour le mois de stage. On n'a toujours rien eu. Et à la place, par rapport à un vademécum, si vous cherchez un peu, vous trouverez. En fait, on a réussi à obtenir 90,50 euros de prime comme renfort Covid pour un mois. Donc, on est très loin des 550 euros. Et pour les avoir, on a dû mener une bataille assez rude. Donc, on n'est pas du tout content de ça non plus, on est toujours en cours. Et lors des stages, un gros ras-le-bol des soignants qu'on constate, donc pour notre formation, c'est très difficile aussi, parce que clairement, l'encadrement, il en prend un coup, hein. Les soignants sont à bout, et comment voulez-vous encadrer les soignants de demain en étant dans cette posture de soignants fatigués, à bout, et ils ont tout donné, et on leur demande encore plus aujourd'hui, et il n'y a rien qui avance de ce côté-là. Et le problème, il est là, c'est que ça n'avance pas. Donc, pour nous, dans la formation, on a perdu énormément en qualité parce qu'en fait, on a des cours en distanciel qui mériteraient d'être en présentiel. Admettons, on nous fait des ateliers en soins infirmiers comme la pose d'une sonde vésicale, donc sur mannequin ou autre, hein, bien sûr. Et en fait, on nous fait ça en vidéo.
Voilà, on nous fait voir comment poser une sonde vésicale en vidéo. Donc c'est un énorme problème, mais je remercie quand même les formateurs qui donnent énormément pour essayer d'améliorer tout ça. Hein. Mais clairement, il y a des gros efforts à faire là-dessus. Donc voilà, on est quand même les soignants de demain et on nous forme en distanciel. Je trouve ça dommage parce qu'on sera confronté à tous ces problèmes dans les années passées. Donc je pense qu'on pourrait faire d'énormes efforts là-dessus. Du coup, ouais, on note énormément un grand nombre d'abandons. Alors j'ai fait des statistiques, je ne vais pas vous partager des chiffres, hein, je vais plus vous parler de ça, sur l'ensemble de ma promo. Et en fait, on est par rapport à la moyenne annuelle, on est presque au double d'abandon. Enfin, on est, voilà, j'ai fait sur le tiers, mais on est plus près du double que du tiers d'abandon, en plus que la moyenne habituelle. Et bien sûr, la qualité de la formation hein, par rapport à la pandémie, la médiatisation. Et où en sont les soignants de demain quand nous cherchons déjà les soignants d'aujourd'hui? Donc ça, c'est très très compliqué. Donc pour les nouveaux diplômés, c'est simple. Seuls ceux qui ont un projet professionnel souhaitent rester au sein du CHU, enfin des centres hospitaliers publics. Autrement, tous les autres souhaitent partir et on note énormément de demandes pour les départs dans les pays limitrophes qui sont plus attractifs au niveau de la rémunération. Et en fait, le problème, il est vraiment là. En fait, par rapport à mes retours au niveau de mes collègues, c'est pas forcément la pandémie le problème, c'est vraiment la rémunération. Tout le monde est prêt à faire front à ça, vu que c'est un choix de métier, on sait qu'on peut y être confronté. Mais clairement, les salaires, c'est un énorme problème. Le manque de personnel aussi. Travailler dans ces conditions, on le voit lors de nos stages. Et en fait, ça nous paraît déjà très compliqué avant même de pouvoir attaquer, quoi. Donc voilà. Et du coup, je vais aborder le point qu'Arnaud a parlé juste avant. Donc c'est sur les parkings. Donc en fait, ils vont devenir payants à partir du 21 décembre 2021. Donc à savoir, au CHU Amiens, on est quand même 1500 étudiants. Ça regroupe les instituts, donc les IFSI, les IFAS, les ambulanciers. On a les IBOD, les IAD. On va retrouver aussi les kinés. On a les sages-femmes qui sont un peu délocalisées, mais qui sont avec nous, les orthopsies. Enfin voilà, c'est un énorme centre universitaire. Et donc clairement, voilà, donc les parkings deviennent payants. En fait, le CHU les met à la sous-traitance de la société Indigo, qui est Vinci, qui a investi 13 millions d'euros dans ces parkings pour une sous-traitance d'un contrat de 30 ans, car le CHU n'a pas les fonds pour le faire lui-même. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Et donc clairement, on nous demande pour le parking 9 euros par jour, 20 euros par semaine ou 50 euros par mois. Donc c'est juste un peu aberrant, en sachant la précarité étudiante, qu'on en arrive là aujourd'hui. Et du coup, suite à ça, on a quand même fait pas mal de remue-ménage. On est monté jusqu'à M. Macron, hein, qui nous a écoutés, qui a dit au directeur de l'ARS de faire le nécessaire et qui ne voulait plus entendre parler de ça. Donc justement, aujourd'hui, Carnot, on en avait parlé un petit peu. Donc aujourd'hui, on a relancé les négociations. On a demandé à faire partie des groupes de travail avec la direction de l'hôpital. On est toujours en attente de réponse. Et du coup, j'ai eu le mail hier matin. On a une réunion mardi, mais en fait, tout est déjà acté. Donc en fait, on va juste écouter ce qu'ils ont pondu, entre guillemets. Et d'après ce que j'ai entendu, il y aurait juste le parking gratuit pour les gens à l'extérieur d'Amiens Métropole. Parce qu'en fait, ils vendent le projet comme le transport doux, voilà, dans le développement durable. Et en fait, il faut prendre les bus et tout. Sauf qu'en fait, clairement, la direction nous a lâché que c'était pour accueillir le personnel de l'hôpital Nord. Vu qu'à Amiens, on est en train de regrouper tous les sites en un seul site. Et voilà. Donc... du coup, c'est aux étudiants qu'on va demander. On est estimé à 100 000 euros par an de parking. Voilà, c'est ce que les étudiants vont payer pour pouvoir aller apprendre leur futur métier de soignant. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein. On est là toute la journée. Voilà. Sébastien, merci. C'était factuel, construit, punchy. Merci. J'allais me lâcher et puis il est certain que si la direction du CHU met en avant la santé environnementale et le développement durable pour essayer de limiter les déplacements bagnoles, il y a peut-être un tout petit truc qu'on peut leur pardonner, mais sinon je pense que c'est des gros connards. Voilà. Excusez-moi, ma mère me dit de ne pas être vulgaire. Donc ce sont des gros connards. Et quand je vois que pour un sujet de gratuité, de parking, on met des étudiants infirmiers qui ont autre chose à foutre dans un groupe de travail. Mais mon Dieu, mais évidemment que la santé, ça ne peut pas marcher. Voilà. Pour
Pour moi, ça, c'est la définition de la nullité absolue. Bon, excusez-moi pour le mot vulgaire, mais j'aurai l'occasion, dès que j'aurai le temps, j'aurai l'occasion de dire ce que je pense à ces gens-là via les réseaux, via les médias. Donc, le CHU d'Amiens, vous êtes juste lamentable. Et vous nous faites honte. Voilà. Au nom de tous les étudiants infirmiers d'Amiens, ne me remerciez pas. J'espère que tu n'auras pas de soucis. Non, je donne pas mon 06. Alors, on enchaîne. Merci pour cette partie. Ville, constat, tout ça, c'était super. Maintenant, on va faire un live en direct avec Antoinette Tranchida, syndicat infirmier. Alors, convergence infirmière. Ancil. 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 C'est à moi? Ok. Donc, bonjour. Donc, je suis Antoinette Tranchida. Je suis infirmière libérale depuis 31 ans maintenant. J'ai vu les changements dans la profession. Donc, l'ONCIL est un syndicat d'infirmiers libéraux. Il a plus de 50 ans et il a toujours eu qu'un credo, c'est défendre l'exercice libéral. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Hein, le manque de représentativité est flagrant. Les infirmiers ne se déplacent pas pour voter. Et du coup, les pouvoirs sont concentrés entre quelques syndicats qui décident pour les 140 000 infirmiers libéraux. Le collectif Santé en danger, personnellement, Arnaud, je veux dire, la sincérité d'Arnaud m'a séduit. Donc, j'ai convaincu mon conseil d'administration de faire partie de ce collectif. Donc, David Balès, qui est infirmier dans les Hauts-de-France, a été notre porte-parole depuis plus d'un an. Voilà, aujourd'hui, donc, je suis présente pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ville. Donc, le système... Alors, on parlait de l'hôpital public, mais le plus grand hôpital de France, c'est la ville, hein, étant donné que la majorité des gens sont soignés à domicile et que le système est en train de craquer. Au même titre qu'il y a une fuite des hospitaliers vers le privé ou vers la ville et qu'il y a des démissions et des burn-out à tire-larigot, c'est un petit peu pareil en ville. Beaucoup d'infirmiers, suite au Covid, ont cessé leur activité, soit pour cause de Covid, ou comme moi, alors je ne suis pas en cessation d'activité, mais j'ai quand même eu le Covid pendant mon travail, donc j'ai été très 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 malade. Et du coup, ça fait énormément réfléchir sur la profession. Il faut savoir, par exemple, que pour la crise Covid, 82% des professionnels de santé reconnus en maladie professionnelle par la Sécu sont des professionnels de santé. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les infirmiers libéraux, au même titre que nos collègues de l'hôpital, hein, je veux dire, il n'y en a pas un pour mieux que l'autre, hein, on a tous été au front de l'épidémie, hein, les infirmiers en particulier, en ville surtout, puisque en ville, les médecins ne se déplaçaient plus, les kinés n'avaient plus l'autorisation de se déplacer, du moins d'ouvrir leur cabinet. Les spécialistes, c'est pareil, hein, les chirurgiens ont fermé leur cabinet. Bon bref, les infirmiers ont été au premier rang, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de gérer la crise Covid, de gérer les patients Covid, de gérer les patients chroniques qu'ils avaient en charge, parce qu'il fallait à la fois s'occuper des gens qui étaient que nous avions de façon chronique comme les diabétiques et les gens qui avaient des soins d'hygiène et tout un tas d'autres patients, Alzheimer, AVC, cardio, bon bref, tout ce qui se fait à l'hôpital de toute façon se fait en ville. Mais en plus, on nous a demandé de prendre en charge les surveillances Covid. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas cessé notre activité, on ne peut pas dire qu'on a baissé notre activité contrairement à d'autres professions. Et le résultat, c'est ça, c'est rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital appelle les libéraux pour venir travailler chez eux, sauf qu'en ville, on n'a plus de remplaçants parce qu'ils ont été happés par les centres de vaccination. On nous demande d'aller vacciner à domicile, mais on n'a pas de doses de vaccin. On nous baisse nos forfaits de rémunération. Hein. Il faut savoir que l'avenant 6, qui a été signé par deux syndicats représentatifs, a mis en place ce qu'on appelle les bilans de soins infirmiers. Donc, on a eu nos rémunérations pour les prises en charge de patients lourds qui ont été revus à la baisse. Hein. On a perdu 3,10 euros sur une journée, hein, sur l'équivalent de 4 passages par jour. On nous a mis des kilomètres pour plafonner les déplacements des infirmiers en montagne parce que c'est vrai qu'il y a foison d'infirmiers
en montagne, c'est ironique bien sûr, on ne comprend pas ce plafonnement des déplacements, on ne peut plus prendre de remplaçants, on ne peut pas les faire installer parce qu'on a un zonage des plus contraignants. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on a des professionnels qui sont malades, qui sont en burn-out, qui se blessent parce qu'à force d'être surmenés, ben, on finit par se blesser parce qu'on est moins attentif. On n'a pas de remplaçants pour faire tourner les cabinets. Bref, on est dans une situation où la ville va craquer. Et si la ville craque, eh bien, je pense que tout le système craque. Parce que l'hôpital craque, la ville craque. Et en fait, on se dit que finalement, si tout n'explose pas, on n'arrivera jamais à remettre les choses à plat. Alors, le credo de l'ONCIL, c'est quand même de formaliser, de reconnaître officiellement tout ce qui a été fait pendant le Covid. C'est-à-dire ces consultations infirmières qu'on faisait chez les patients et qu'aujourd'hui, on nous refuse en nous disant on n'est pas des médecins. Alors nous, notre but, c'est pas de prendre la place des médecins. On n'en veut pas. On est infirmier, on n'est pas médecin. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on reconnaisse l'accès en premier recours pour les infirmiers quand, par exemple, on intervient chez des gens et que, eh bien, cette personne est tombée, elle s'est blessée, on doit lui faire un pansement. Eh bien non, on ne peut pas y aller parce qu'il faut absolument que le médecin passe. Donc on a les solutions pour désengorger les urgences, pour libérer du temps médical pour les médecins, sauf qu'on a des tutelles qui ne veulent absolument rien entendre si ce n'est pas elles qui l'ont décidé, ou alors si elles ne sont pas complices d'autres organisations. Je veux dire, voilà, on marche sur la tête, on n'arrête pas de nous dire que le système va mal, mais au final, on ne voit rien. Rien de neuf à l'horizon. Alors le Ségur, on n'en parle même pas, puisque nous, alors pour les salariés, c'était pas grand-chose, mais alors pour nous, c'est le néant, puisqu'on n'a même pas été cité. Donc en gros, c'est comme si la ville n'existait pas. Pourtant, la ville, bah, elle supporte l'hôpital. Hein. La ville, elle fait les retours à domicile, elle évite les hospitalisations, elle travaille en collaboration avec toutes les spécialités, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les kinés, les pédicures, les podologues, les orthophonistes. On travaille tous ensemble, on s'entend quand même assez bien, et on ne comprend pas cette volonté de détricoter un système. Alors tout à l'heure, je ne sais plus, notre ami kiné qui parlait des CPTS, effectivement, les CPTS, ben, c'est encore une couche d'administratif, hein, c'est-à-dire qu'on est sous tutelle de l'ARS et de la CPAM, on doit mener les projets en fonction de ce qu'aura décidé l'ARS. Jeannette, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Écoute, merci d'être ici. Oui. Alors, comment on peut faire pour l'écho? Heureux avec Katia parce que Katia elle était ok pour faire la marche nocturne prévue initialement. Sidérard, on était trois. Ah non, on était trois. Il y a Cécile aussi qui voulait venir. Et donc, rapidement, Katia, si tu m'entends, le plus rapidement possible, s'il te plaît. Bonjour à tous. J'ai un retour de son, je sais pas si c'est bon. Tu aurais peut-être eu un massage de pied après la marche. Moi, je suis Katia Reynolds. Je suis présidente du dans ces démarches parce qu'on a vu. Tu dois couper le haut-parleur chez toi, je pense, c'est ça? Tu dois couper le haut-parleur chez toi, Katia. Il n'y aura plus d'écho. Okay. Par contre, tu surveilles tes SMS. Si ça dure 10 minutes, on va t'appeler. Et c'est, voilà. Si tu peux le faire en 3-4 minutes, ce serait top. Allô? On est bon ou pas? Vas-y, c'est bon. Ok, super. Donc, on a vite rejoint le collectif Santé en danger pour des raisons qui ont largement été évoquées depuis ce matin. Moi, je voulais vous parler de la convention, en fait, hein, de notre convention, parce que c'est vraiment le point qui paupérise notre profession. On a une convention depuis qui a été conclue en décembre 2007 entre l'UNCAM et le syndicat représentatif. Cette convention, en fait, elle nous paupérise. Pourquoi? Parce que en fait, elle nous empêche de prendre en charge les patients.
avec une forme d'équité patient-praticien. C'est-à-dire que on peut pas, comment dire, quand on signe une convention, on a un souci au niveau des remboursements et des prix et du nombre de prises en charge des patients diabétiques. Je suis désolée, vous m'avez demandé de faire rapide, ça va être compliqué. Il faut savoir que les charges des pédicures podologues augmentent d'année en année, tant sur le point de vue du fonctionnement avec la casquette de libéral, avec des charges qui augmentent, un plateau technique qui coûte excessivement cher. On a estimé à peu près à 35 000 euros l'investissement d'un plateau technique pour soigner nos patients diabétiques. Et cette convention, en fait, d'année en année, par le biais des avenants, fait augmenter de plus en plus le nombre de prises en charge. Et il faut savoir que un patient va être remboursé 27 euros et nos consultations en cabinet sont largement au-dessus de 27 euros. Donc plus on avance dans les conventions, dans la convention et les avenants, et plus on nous paupérise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a une AMP. Pourquoi tu crois en le collectif? J'entends rien du tout. Tu disais, Katia, tu vois, pourquoi tu penses que toi, dans le cadre de ta profession, être membre du collectif Santé en danger, ça peut être un plus pour ta profession? Parce que je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que les combats par corporation, c'est perdu d'avance. Donc en fait, on est beaucoup plus fort si on agglutine au sein du collectif. Tu es d'accord avec ça? Oui, parfaitement. On voit bien que de toute façon l'hôpital, enfin, je vais pas être répétitif par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, mais on voit bien que l'hôpital sans la ville, hein, ne peut pas tenir, et la ville sans l'hôpital, c'est pareil. On peut pas, on a trop de d'interdépendance. Antoinette l'a dit tout à l'heure, quand un patient sort de l'hôpital, si on n'a pas tout un maillage en ville, accueillir le patient chez lui après une hospitalisation, ça devient compliqué. On crée des vraies problématiques qui pourraient être tellement facilement prises en charge par tout ce maillage qu'on affaiblit en fait, hein, d'année en année. Il faut pas se leurrer. Hein. Le libéral va très mal. Nous, on est 98% de libéraux, donc imaginez ce que va donner notre métier si plus tard on ne réagit pas face à ces conventions et ces avenants. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. On n'a pas de plan B en fait. Il y a 2% de, à peine 2% de pédicures podologues salariés. Ça va être compliqué de pouvoir trouver un moyen d'échappatoire. Je voudrais te rassurer. Dans les combats qu'on mène, la manifestation de samedi dernier, il y a eu donc en fait une intersyndicale reçue au ministère. La ville fait partie des préoccupations. Je suis dans beaucoup de discussions de gros syndicats, parfois et souvent de médecins, mais tous s'accordent à dire que de toute façon, tous les professionnels de la ville doivent être concernés. Et s'il y a bien quelque chose aujourd'hui dont je n'ai pas peur, c'est qu'il y en a un qui reste sur le côté, sur le bas de la route, enfin le bas de la route. Non, pas du tout le bas de la route. Enfin, vous m'avez compris. Le bord de la route. Donc, écoute, merci d'être avec nous. Paris, tous ensemble, c'était hyper bien passé. Alors là, on va essayer, avant la pause du repas, on va essayer de faire un live avec une personne parce qu'on a sélectionné des questions. Je vais au pupitre. Bon, j'espère que ça va marcher. En fait, on a proposé à des soignants de poser des questions. Et donc, on va essayer de faire un live... avec, comment elle s'appelle? T'as son nom, c'est qui, celle qui va venir, c'est Florence. Donc, une soignante Florence, voilà, qu'on a... Salut. Salut à tous, vous m'entendez? Je ne vous entends pas du tout. Alors, nous, on t'entend. Florence, quand je parle, essaye de couper. Non, quand tu parles, coupe ton haut-parleur. Quand tu parles, coupe le haut-parleur et on fait un essai. Normalement, ça doit couper l'écho. Téléphone sur mon ordinateur. Alors, pourquoi ça fait écho? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Attends, on va trouver. Tu m'as compris. Est-ce que normalement, si quand toi tu parles.
tu coupes ton haut-parleur, on ne devrait pas avoir l'écho. Quand, uniquement quand tu parles. Couper juste ton haut-parleur. Donc pas, ne pas couper ton micro. Ne pas couper ton micro. Hein. Et moi, j'ai pas de haut-parleur sur, sur mon ordinateur. Je vais essayer de rafraîchir la page. Florence, on va essayer. Je crois que c'est moi qui dois couper le micro. On commence. Alors, Florence, vas-y, je te laisse commencer. Alors, moi, je suis je suis bio-énergéticienne à Vaux-en-Velin. Je suis contente d'être ici avec vous parce que au départ, je pensais que je m'étais trompée de congrès. Comme initialement, parmi les invités, il y avait Xavier Bertrand qui fait 1m50. J'ai cru que c'était un congrès de pédiatrie. Et puis, en fait, depuis tout à l'heure, je vous regarde et puis je me dis que non, quand même, pour un congrès de pédiatrie, il y a beaucoup trop d'écrans. Question, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, Arnaud, donc je vais dire que je suis un petit peu surprise que le métier de bioénergéticien ne soit pas représenté dans le collectif. À mon avis, c'est la base. Vous ne pouvez pas espérer de grands changements sans une mobilisation puissante d'énergie cosmique et sans une, voire deux interventions extrasensorielles de fluides lunaires, voire plutoniens. Mais enfin là, je vous laisse juger. Florence, là, c'est moi qui suis en train de me demander de quelle planète vous venez. Ok. Excusez-moi, Arnaud. Hein, bon, j'avance. Bon, alors, tout d'abord, Arnaud, je tiens à te dire, je te tutoie, ça doit te changer un petit peu de tes déjeuners à l'Élysée. Je tiens à te dire que l'échec des revendications des soignants, à mon avis, on peut les attribuer en grande partie à ton look. Être représenté par un mec qui s'habille comme un lutin et pèse le même poids que le Père Noël, désolé, mais ça fout les boules. Hein. Florence, avec tout mon respect, j'aimerais bien que vous éleviez le débat, enfin que tu élèves le débat, et puis après tout, moi aussi, je vais te tutoyer maintenant. Il n'y a pas de problème, Arnaud. Hein. Moi, je sens que le fluide passe bien entre nous. C'est un petit peu gênant cette conversation. Je ne sais pas de quel fluide tu parles, Florence, mais ne me branche pas là-dessus parce que j'ai l'impression d'être quand même un peu trop loin pour ça. Pas tant que ça, Arnaud. Pas tant que ça. Moi, je n'ai plus proche que ce que tu crois. Tu vois, moi aussi dans la vie, je pense, Arnaud, que les apparences ne sont pas ce qu'il y a de plus important. Par exemple, regarde le Ségur. Rien que le nom est classe. Hein. Ségur, à la base. C'est quand même le nom d'une comtesse. Hein ouais, alors, Ségur, pas forcément la queen de l'éducation positive. Hein. Je te rappelle qu'elle n'hésitait pas à user de châtiment corporel pour les enfants. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas invité François Bayrou. Alors, avec le Ségur de la santé, avec un titre aussi ronflant, tu vois, moi, je trouve qu'on pouvait s'attendre à une réponse vraie. À la place du Ségur, ben, on a eu du Zola. Les réformes. Ouais, misérable. Ça, c'est Victor Hugo, Florence. Hein. Ouais, alors, j'ai dit châtiment corporel, Arnaud, hein, pas pédophilie. On s'éloigne, Florence, je crois qu'on s'éloigne. Les pédophiles, oui, alors, quand on est au courant, mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas toujours et qu'ils attirent les enfants avec des bergers allemands, bien rangés dans le coffre de leur utilitaire Peugeot, et que je te balance le gamin chloroformé dans les pattes du kleps, et que je t'enferme tout ce petit monde vite fait, bien fait. Hein, donc, S'il vous plaît, Florence, posez votre question. Alors, la question, elle est rhétorique. À quoi sert-elle? La question, c'est à engager le débat. La réforme, à quoi sert-elle? C'est pour en parler qu'on est tous rassemblés aujourd'hui, Florence. C'est le congrès du collectif Santé en danger, tous les métiers confondus. Ça, c'est vrai. Je dois te donner raison. C'est quand même le point positif de cette journée, c'est que je peux tout faire. J'aimerais bien savoir ce que tu veux dire quand tu dis que tu peux tout faire, s'il te plaît. Bah, écoute, c'est bien simple. Je fais un arrêt cardiaque, il y a un cardiologue qui va rappliquer. Ma voiture peut tomber en rade, il y a un ambulancier qui va me remorquer. Je peux me pisser dessus, il y a un chirurgien urologue qui va me programmer et en plus, une ASH qui va nettoyer sous mon fauteuil. Alors, tu l'as bien décrit, ça s'appelle la chaîne du soin, Florence.
Ça s'appelle surtout l'incontinence urinaire. Et franchement, je trouve que c'est pas le bon endroit pour en parler, Arnaud, à moins que toi aussi tu nous parles de ton problème de... Non, Florence, je vais pas parler de mon problème ici maintenant, s'il te plaît, non, pas maintenant. Tu sais, il y en a qui ont des poils de barbe blancs, hein, il n'y a pas de honte à avoir les poils de... Florence, s'il te plaît, pose ta question. Ok, alors ma question, elle est la suivante, Arnaud. Comment un mec qui passe son temps à faire des lives sur Facebook arrive à endormir des gens sans faire de casse, hein? Non, parce qu'on rigole, là, bonne ambiance, etc. Hein, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quand même eu un bon paquet d'AirPods inhalés par les patients. J'ai aussi entendu dire que tu gardes ton tweet vert au bloc opératoire alors que les poches sont remplies de miettes de BN. Hein, bon, pas génial. Et puis, la dernière fois, on m'a raconté qu'en te penchant au-dessus du champ opératoire, eh bien, ton iPhone est tombé dans le bide d'un patient. Alors, Arnaud, j'ai une question. C'est quoi ce... bordel. Florence, tout ça, c'est beaucoup de conneries et il faut pas écouter tout ce qu'on dit. J'ai effectivement quelques patients qui sont venus me voir parce qu'ils entendaient leur notification WhatsApp au niveau ombilical, mais en fait, on est passé en mode silencieux et maintenant tout est réglé. Non, parce que tu vois, la santé, pour en parler, Arnaud, eh ben, il faut la faire, tu vois. Parce que là, on dirait que tu as un peu attrapé le syndrome Ranvée. C'est quoi, Florence, le syndrome Ranvée? Alors, le syndrome Ranvée, c'est inspiré de Olivier Véran. Véran, Ranvée, à l'envers. C'est les médecins qui nous font. Ok, je vois. Ils font à l'envers, tu vois. Je vois. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même une belle bande de joyeux lurons. Hein. Alors, bon, t'avais invité Pierre Carly, le grand pont de la réanimation. Très bien. Hein. Mais moi, je suis allé voir ses vidéos sur YouTube. Bah, le mec imite quand même les battements de cœur en faisant ça avec sa main. Florence, faut pas tout prendre au premier degré, c'est pour parler au plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation médicale. Ah bah parlons-en de la vulgarisation. Hein. Tu connais Jean-Paul Mira et t'as même pas proposé qu'on fasse le congrès en Afrique. Pourtant, c'était une belle occasion de tester l'efficacité du vaccin. Hein. Et les petits Africains, alors, ils ont pas le droit de faire partie du collectif ou quoi? Ça y est, Florence, après les attaques sur le physique, maintenant tu vas essayer de me traiter de raciste? C'est tout petit. Hein. Un peu que je vais te traiter de raciste. Hein. Un mec qui n'invite pas les marabouts à son congrès sur la santé a de toute évidence des problèmes à régler. Hein. Est-ce que tu réalises qu'avec le professeur Biramé, médium reconnu dans le monde entier, qui te promet le retour immédiat de la personne aimée, te garantit la repousse des cheveux en 7 jours et te guérit définitivement de ton impuissance sexuelle avec en prime une disparition de tes poils de bite blancs, et tout ça, dès le premier contact, on aurait carrément pu régler fissa le problème de la santé. Faire revenir la personne aimée, ça peut m'intéresser, les poils de bite blancs aussi, merci. Tout ça, tu sais, c'est des postures. Regarde Emmanuel Macron, il a beau prendre la même voix qu'un révérend transgenre shooté à la testostérone pour son hommage à Maurice Genevoix, on sait très bien que le seul poilu qui l'intéressait alors, c'était Xavier Bertrand. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais imagine si on pouvait régler le problème de la santé en un coup de baguette magique. Tu vois, par exemple, parce que les élections arrivent, hein? Par quoi on commencerait? Moi, perso, je commencerai par rénover tous les hôpitaux pourris dans lesquels on travaille. Humaniste, oui, animiste, non. Moi, perso, le rat que je vois passer dans ma chambre de garde, je le défonce. Et on mettrait des salles de bain en marbre aux patients et des repas de garde 3 étoiles aux soignants. Oh, les 3 étoiles, quand tu fais ton malaise vagal sur ta toxi-infection alimentaire, tu les vois. Quant au marbre pour les patients, tu sais, vu les prises en charge actuelles, ils ont rapidement une stèle. Comme pour la gériatrie, des salles de jeu avec des jouets en bois bio pour les enfants, des voitures de fonction pour les PH, des Tesla, évidemment. Ouais, et puis des cours de tennis pour les PUPH entre midi et deux. D'ailleurs, les PUPH, on en a besoin en ce moment. Attends le délire, on a même plus le temps de se faire un petit cours à Roland-Garros, Florence. Des voiturettes pour les brancardiers, des ASH pour les femmes de ménage, des soins de visage pour les infirmières, avant et après le port du masque FFP2, pour qu'elles aient toujours un teint. Alors là, t'as raison, parce que le mythe de l'infirmière sexy, nue sous sa blouse, on l'a plus vraiment depuis très longtemps, hein, ça c'est clair. Les filles sont à nu, mais ils ont un petit peu froid. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est vrai, Florence, qu'être infirmière à l'hôpital public aujourd'hui, c'est un petit peu comme porter un croque-top en Sibérie, quoi. Hein. Ça pique. Ouais. Et les directeurs des hôpitaux, est-ce qu'on a le temps d'en parler ou pas, Arnaud ? Alors, Florence, rapidement, s'il te plaît, ouais. Okay. Alors, bon, ben là, pareil. Moi, je me suis dit que si les directeurs voulaient vraiment prendre conscience du manque abyssal de personnel dans les hôpitaux, on pourrait peut-être leur organiser une petite journée témoin. Tu m'inquiètes, mais par exemple, tu verrais ça comment ? Par exemple, la journée témoin coloscopie. C'est assez facile, hein ? C'est sans douleur, et puis c'est utile. Je veux dire, la coloscopie, tous les trous du cul finissent toujours par en avoir. Ok, Florence, je crois deviner la suite. Tu vois ça comment ? Alors, très simple. Ils viennent à 7 heures, à jeun depuis la veille. On leur donne une belle tenue avec un beau slip en papier de taille XXL, quelle que soit leur corpulence, parce que de toute façon, on est en rupture de stock. Et les tenues sont made in China. Ensuite, ils sont priés de ramener leur masque, hein, parce qu'on n'en a plus. Ensuite, on les met dans une chambre et on les laisse poireauter 2-3 heures, hein, le temps que la seule infirmière du service ambulatoire fasse les 14 entrées des patients qui sont là ce matin-là. Ensuite, le seul brancardier de l'hôpital qui n'est pas en arrêt de travail vient les emmener dans un bloc gelé, hein, parce que la chaleur humaine a disparu. Et là, ils sont pris en charge par des gens qui ne parlent plus tant qu'ils ont des choses en tête, qui sont tendus tant la pression au boulot est forte, qui sourient difficilement parce que les journées sont dures, mais qui essaient quand même de faire bonne figure parce qu'une petite partie d'eux se souvient de ce pourquoi ils ont choisi ce métier. Ouais, ça me paraît une très bonne idée. Puis tu vois, je pensais au directeur de Brive-la-Gaillarde, là, parce qu'ils avaient utilisé des acteurs pour évaluer les urgences. Je ferais bien une journée témoin pour le directeur de Brive-la-Gaillarde. Mais oui, Florence. Florence, pourquoi on a choisi ce métier ? Mais pour soigner ceux qui souffrent, Arnaud, pas pour faire souffrir ceux qui soignent. Bien, Arnaud, je crois qu'on est en train de nous tuer. Nous tuer alors qu'on est le pays de la loi Nonetti, c'est pas possible. On est dans un accompagnement de la fin de vie. La fin de vie ? Bah attends, on n'est même pas passé par la case obstination déraisonnable. Dans quelques semaines, tout sera terminé, Florence. Ça va faire mal, Arnaud ? Ouais, j'ai peur que ça fasse très mal. Heureusement qu'on a fait des directives anticipées. Ah ouais, c'est vrai. Et t'as marqué quoi, toi, dessus ? Eh ben, à côté du nom de ma personne de confiance, Emmanuel Macron, j'ai marqué en grand, en pensant à tous ceux qui se sont suicidés, à tous ceux qui sont surmenés, à tous ceux qui vont craquer, je ne veux pas être abandonné. Bravo. Merci, Florence Corteau, médecin anesthésiste réanimateur de la métropole lilloise. Merci à vous, le collectif, et bon courage. Tu m'entends. Bravo, 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 bravo. Bravo. Merci, merci beaucoup d'avoir écrit ça pour nous. Merci de nous avoir fait l'amitié d'accepter ça. Alors, pour expliquer, on a fait du mieux possible pour le rendu, mais vous imaginez bien que normalement, Florence était au milieu du public. Elle levait la main, elle posait une question et on aurait fait cet échange-là qu'aujourd'hui on a présenté en live parce que c'était tellement riche et la fin, elle est tellement percutante que j'ai dit à Florence, fais-nous l'amitié d'accepter. Je t'embrasse très fort, très fort, très fort. Vous embrasse aussi tous. Thomas Brosset, on fait une coupure. Il est quelle heure ? On reprend à 13h30. Il est 13h36. On reprend à 13h30. Il est 12h36. On reprend à 13h30. Ok, ça roule. À toutes.